Franchement, ce soir, c'est fou de ne pas avoir d'inspiration. Cette musique à la con aussi qui fait chier. Fou, ça. De... Qu'est-ce que tu as ? Et puis alors, avec la concurrence qu'ils sont en train de nous faire, les politiques, là, en ce moment, c'est... Raffarin. C'est quoi, ça, Raffarin ? José Bové en prison, Jacques Chirac président. Non, mais c'est quoi, c'est pas possible. C'est pas vrai. Non, mais... Impunité zéro pour les délinquants, il remet les couverts, le gars. Non, mais c'est pas possible d'être culot à ce point-là. Citoyen français est quand même pas aussi con que ça, c'est pas vrai. Quand même pas des cons, mais... Si, c'est vrai que j'ai l'air con un peu quand même. Même le sale con, même. En même temps, pour faire marrer les gens, il n'y a pas besoin d'être une lumière non plus, je veux dire. Autant paraître un peu crétin, comme ça le public peut s'identifier. Ouais. C'est vrai. Là, je dis pas ça pour vous. Enfin, en même temps, si. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Mais non, mais à force d'être pris, tout le monde est devenu complètement taré. Non, mais c'est pas possible, ça. Pourtant, on ne naît pas con, quand même. C'est vrai, hein. On le devient par solidarité, certainement. Enfin, moi, je suis né, j'étais déjà un peu... J'ai demandé à ma mère ce matin, je lui ai au téléphone. Je lui ai dit, alors, quand j'étais petit, elle était complètement con depuis le départ. Hein. Après, elle m'a passé mon père, qui, lui, a fait le bilan, celui de toutes les conneries qu'il avait accumulées pendant sa vie. Salaud, ben, il a mis la barre super haut, hein, c'est clair. Pour nous, les générations qui sommes derrière, non, c'est vrai, hein. Comme ça, quoi. C'est un peu le roi des cons, l'autre, depuis toujours. Alors que ma mère est plus discrète, plus en retrait, c'est la pauvre connasse. Quoi, là. Bon, je ne veux pas vous parler de papy connard et de mamie connasse, mais c'est vrai que dans la famille des cons, j'ai quand même l'équipe au complet, moi. Je suis même le père de trois seuls petits cons, mais vraiment, hein, dont un merdeux. Hein. Enfin, à 3 ans et demi, il a encore le droit de chier dans son froc, enfin... J'espère que ce seront des cons heureux, hein, c'est tout ce qui nous reste, hein, de toute façon. Merde, con, c'est quand même pas une race, quand même. Ben, c'est vrai, je m'interroge en ce moment. Quand même pas une race de cons, ça n'existe pas, ça. Con, au départ, d'ailleurs, c'est une religion, au départ. Ça, les gens, ça les choque, ça. Hein. Ah si, c'est comme juif, musulman, catholique. Ah ouais, les gens, ça les choque, ça. D'ailleurs, on peut être les deux, souvent, d'ailleurs, les gens sont les deux, d'ailleurs. Mais c'est une affaire qui remonte au Mont Sinaï. Ah, ça, les gens savent pas, ça. Hein, c'était au Moyen-Âge, enfin, 1930. Et c'est, si vous aimez mieux, c'est Moïse, hein, Francis, qui, se trouvant sous le Mont Sinaï, hein, pour raison XY, on ne sait pas, on ne sait pas, hein. Les historiens de Saint-Fatou. Hein. Donc, il aurait été à un moment donné sur le Mont Sinaï. Et il aurait marché comme ça. On ne sait pas ce qu'il faisait, le gars. Bon, ben, en week-end, en RTT, on ne sait pas. Il est bullet, quoi. Et il est arrivé à un moment donné devant un buisson. Hein, le buisson ardent. Alors, pourquoi? Parce qu'il a foutu le feu, ouais, au buisson. Hey, mais le gars, il avait faim, peut-être des merguez, des brochettes. On ne sait pas ce qu'il faisait. Hein. Et alors, il aurait... Alors, le buisson, évidemment, c'est enflammé, immédiatement. Ça flamméché. Et donc, lui, comme il avait une très longue barbe, hein, Moïse. Hein, les gens ne savent pas, ça. Non, c'est vrai. Et très, très longue barbe. Mais c'était à la mode, hein, dans le coin. Les gars. D'ailleurs, ça revient, d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, bref, non, il avait une très longue barbe. Hein, et donc, évidemment, avec le feu, ça s'est pris dans la barbe. Alors, viens vite, hein, la barbe. En 2 secondes, l'autre, il était rouquin. Hein, c'est vrai. Hein. Ça sentait le poulet et tout. Ça. Alors, il y a un de ses copains qui était en contrebas, qui était en train de buller. L'autre, il dit oh, il rentre pas, t'es venu voir. L'autre, ça va, l'autre, il dit c'est bon, arrête, merde. Il s'est cassé comme ça, il s'est tiré dans le. Il marchait de travers. Ouais. Il avait un problème de hanche, au Moïse, au départ. Ouais, ça, les gens ne savent pas, ça. Ouais, sa mère était bretonne aussi. L'autre, c'était Jeannot la breloque, en bas. Et alors, arrivé dans la grotte, si vous voulez, c'est là qu'il a taillé, bon, à même la pierre. Hein. Je veux dire, bon, qui était une pierre très tendre aussi, genre, c'était une pierre de shit. De schiste, pardon. Non, ça n'a rien à voir. Pierre de shit. Hein.
Ciste. Cela dit, il devait avoir du shit aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. Ah, les gars, parce qu'il a taillé toute la nuit. Hein. Il a taillé comme ça. Là. Allez, il a taillé les 10 premières conneries de base. Allez, hein, les 10 commandements. Ah, hein. Les salauds, bon. Ah, 3000 ans plus tard, on n'a pas fait mieux, c'est clair. Il a posé les bases de l'humour. Hein. Avec la très fameuse plaisanterie, on en parle encore, avec la très fameuse « tu ne tueras point ». Oh, c'est génial, je veux dire, comme concept. Ah, c'est vrai, hein. « Tu ne tueras point », là, c'est génial. Hein. Bon, après, toute son équipe, bien sûr, ils ont inventé la bombe atomique. Parce que ce sont des farceurs, les gars. Hein. Aujourd'hui, là, ils bombardent des bergers palestiniens à coups de F-16. Non, parce que nous, on voit pas que c'est drôle, en fait. Non, c'est ça qui est marrant. Hein. Là, ils sont en train de faire des murelles en ce moment. Oh, faut voir jusqu'où ça... Non, c'est vrai, hein, la maçonnerie, c'est vrai, ça change les idées. Ça. Non, mais c'est tous les mêmes. Allez pas croire que j'ai un parti pris. Non, non, attention. Hein. Non, parce qu'il s'est dit des choses, attention. Hein. Moi, je veux dire, je respecte, attention, tout ce qui est religieux. Non, même le vendredi, moi, par exemple, je mange du nougat. Vous voyez, hein. J'en peux pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Moi, j'ai un total respect, attention, hein. Jésus, Mahomet, Bouddha, tout ça, les bras cassés. Moi, j'adore. Non, non. Non, mais ils m'ont donné envie de monter sur scène. Hein. Jésus et Zavata, pour moi, ça a été mes deux idoles au départ. Vous vous rendez compte, devant un parterre de gens comme vous, comme ça, c'est génial. Et Jésus, c'est lui, le premier qui est monté sur une scène. Ça, personne ne le sait. Avant, il n'y avait pas de scène. Et il est monté sur une scène, comme ça, les gens étaient dans la salle, ils ne savaient, c'était même pas des salles, puisqu'il n'y avait pas de toit. Et c'est vrai, hein, ça n'a aucun sens de dire ça. Et donc, ils étaient là, les gens, tu sais, tu sais, il paraît qu'il y a un gars qui. Hein, tu sais, qu'est-ce qui se passe, hein? Tu sais, il a des cheveux, il paraît, c'est marrant. Bon. Et puis là, il s'adressait à un parterre de gens, et puis il arrivait, chut. Et parce qu'il il fallait que les gens se taisent aussi, hein. Chut. Donc, ça, c'est lui aussi le premier qui a inventé, chut. C'est vrai. Hein. Ah, c'est une langue du coin, hein, chut. Ça voulait dire tais-toi, ferme ta gueule, quoi. Et alors. Et après, il embrayait, il avait une formule qui était superbe, il arrivait, il faisait. En vérité, je vous le dis. Ce qui prouve bien que juste avant, il devait dire des conneries. De... Non, c'est vrai. Sinon, il préciserait pas qu'à un moment donné, il va être sérieux. Mais non. Mais tous ceux qui sont montés et qui montent encore sur une scène s'inspirent de ce type de personnage. Mais tous. Même Bush, par exemple. Les gars, c'est quand même pas... On voit bien que les gars... Il a un neurone, mais il s'en sert. Hein, mais il est en bout de course. Il force... Ah, Bush, il est quand même spécial. Hein. Mais au lendemain du 11 septembre, c'est vrai qu'il était chahuté, le gars. Bah, il y a les caméras du monde entier devant chez lui, ils avaient lui demandé deux, trois choses. Et bon, lui, c'était certainement poussé par son environnement, on ne sait pas, le gars. Il est sorti de chez lui, c'est un travail de chamonde qui va. Quand je fais les Américains, je fais comme ça. Tac. Sur le cul, comme ça, un peu John Wayne. Ouais, il est con aussi, lui. Alors, regarde. Ce sera la guerre du bien contre le mal. Ah, oh, celle-là, faut la sortir, attention. Sans trembler du menton, faut y aller, celle-là. Il y a des conneries qui sont plus ou moins difficiles. Celle-là, elle était valide. D'ailleurs, il miaulait, chialait à moitié à la fin. Il s'est dit, alors, il y a des mauvais en plus. Là. Enfin, bon, on n'est pas là pour discuter de ça. Hein, vous avez vu qu'évidemment, ce spectacle n'est pas un meeting. Hein, je veux dire, c'est un spectacle à sketch. Hein, c'est-à-dire, c'est une succession de sketchs, en fait. Ah, ouais, c'est ça qui est assez génial, hein, que j'avais interprété. Hein, donc, là, on a créé, par exemple, le premier sketch, premier tableau, qu'on appelle ça. C'est l'intérieur de bureau, en fait. C'est l'auteur qui écrit le spectacle. C'est génial, hein, l'idée est géniale. Donc, vous n'êtes pas là, bien sûr, je suis là, moi, par contre. Mais voilà. Hein, bon, bref, on y va. Merde, qui est entré dans ce bureau et a touché à mes affaires, là, là. Mais j'ai dit que personne ne rentre dans ce bureau et touche à mes affaires, bordel! J'ai un spectacle comique à écrire, moi! Alors, c'est Toto qui rentre dans une pharmacie. Oh, merde, non, c'est de la merde. Oh, c'est fou, quoi. Hier, j'étais Woody Allen. Aujourd'hui, c'est des blagues de télépoche. C'est pas possible, ça. Oh, c'est pas pour TF1. C'est... Ah, tiens, Daniel Prévost, il y avait des trucs marrants. Il y a le piqué. Ah, ouais, c'est lui aussi, il a posé les bases. Ah, non. Ah, non. J'ai dû mettre ça dans une poche. J'ai dû prendre des notes. Où est-ce que j'ai foutu ça? Oh merde, j'espère que c'est pas passé à la machine. Marine, t'as pas vu mon froc? Lequel?
Ben lequel Merde, j'ai quel froc hier. J'avais un froc hier. Je serais pas sorti le cul à l'air quand même, j'avais mon bénard, le bleu là avec. Mais t'as jamais eu de pantalon bleu? Mais t'as jamais eu de pantalon bleu? Qu'est-ce que c'est que cette réplique? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette baraque? Tu me cherches où? Qui va là? Arrière, va des rétros, Satanas. Encore cette magie africaine qui vient perturber mon écriture. You can be, you can be. Ok, puis malin, c'est toi. Mon inspiration africaine. Que fais-tu derrière ce miroir? Et je croyais t'avoir oublié dans mon froc, c'est ce que j'expliquais à ma femme. Tu crois que ta misérable queue de babouin peut te pousser à l'élan créatif? Mais queue de babouin, non, mais mon inspiration est ailleurs, qu'est-ce que tu racontes? Mais queue de babouin. Non, j'avais écrit quelques notes, je les avais mis dans mon pantalon, ça devait me conduire jusqu'à toi, jusqu'à l'envol créatif. Et que fais-tu derrière ce miroir? Derrière ma propre image? Où m'entraînes-tu encore, magie africaine? Vers quel mystère? Ah, j'aime bien ce passage. Ouais. Bon, on est obligé de faire des effets spéciaux maintenant. Alors, dans les spectacles, vous êtes obligés. Hein. Ouais, parce que les gens, il y a Star Wars et tout. C'est vrai. Hein. Alors, les gens, quand ils viennent. Hein, et là, c'est super. Hein. Non, parce qu'il y a les caméras et tout aujourd'hui, donc on a renforcé un petit peu les. Là, il y en a pour 50 000 balles de matos. Rien que les petits mouchis, les merdes là. Ils ont rajouté ça. Ça vient d'où ça, ces merdes là? Eh, c'est génial, ça, combien ça coûte ça? Ah, d'accord, excuse-moi. Non, non, c'est pas mon tour. Ah, il y a des mimes et tout. Non. Où suis-je? Dans quel espace-temps me trouvais-je? Parce qu'on m'attend pour manger aussi de l'autre côté du miroir. Maman! Mais j'arrive, mon chéri, j'arrive! Est-ce qu'il m'entend au moins? Est-ce que les portables fonctionnent ici, là? Ok, puis, où es-tu, là? Tu m'entends? Ben, je suis partout, là. Oui, bah alors si tu es partout, alors viens à mon bureau, écrivons ce spectacle et finissons-en, j'ai un spectacle, moi! Hein? Ah, tiens, j'ai trouvé ton froc! Oh. Doucement, les gars. Hein. Non, c'est bon, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, laissez-moi tranquille! Tu parles tout seul maintenant? Non, je discute avec mon inspiration, mais laissez-moi tranquille, il est tout seul dans ce bureau, j'ai un spectacle à écrire, moi. Hein? Bon, Dieu, on va bientôt manger. Oui, merci, merci, chère épousée, merci beaucoup, merci pour ta patience. Merci. Puis alors, après mon dernier spectacle, Pardon Judas, là, j'ai eu tout un tas d'emmerdes, moi. Pardon Judas, pourquoi pas Jésus, trou du cul aussi, tant qu'on y est. J'ai été accusé d'être anti-chrétien, anti-musulman, antisémite, même antisémite. C'est con, quoi. J'avais déjà Elie Semoun sur le dos qui voulait me faire juger à Nuremberg, je fais quoi maintenant? Tu peux pas être anti-tout, anti-tane, tant qu'on y est, non? Alors dans l'absolu, peut-être, mais dans la réalité, je peux pas faire n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, j'y retourne dans la réalité. Hein. J'ai un spectacle à écrire, on m'attend sur scène, moi. Monsieur, dame. Tiens, plus près qu'une souris. Mais moi, monsieur, je suis bouffon à la cour. Première catégorie, monsieur. Hein? Là, depuis que c'est passé à l'UMP, j'ai intérêt à faire gaffe à mes miches, moi. Hein? Si je veux rester première catégorie, je veux faire partie de l'industrie du rire, moi. Fini le porte-parole des indésirables. Terminé, cette histoire-là. Hein? Maintenant, c'est du rire, du gag. Je parlerai de bite et de trou du cul, maintenant. Tiens, c'est bon, ça, faut que je le note. Voilà, je parlerai du côté poilu des portugaises. Ça, c'est marrant. Ça fait rire les gens. Ça. Moi, je suis un winner, moi. Faire partie du génie de la farce. C'est bon, c'est quoi comme... hein? Non, je dis, ça sent quoi? J'ai du bœuf. Du bœuf. Bleu pour
Il n'est pas des bêtes, non, que je sache. Et on, là, on peut y aller, là, vous avez fini vos réglages, là, ou quoi? Les gens rentrent dans 10 minutes, active un peu là, je sais pas ce que... Ben active, il a pas fini ses réglages lumière là, il est en connerie. Ah bon, ben Jackie active alors s'il te plaît. Mais non, si ça va René, vas-y, on a presque fini. Ah oui, mais c'est pas professionnel, les gars. Je sais pas comment vous avez appris à bosser dans cette boutique, mais... Et merde, ils m'ont niqué tout mon parti, regarde. Et prévu avec leur troupeau de danseuses délinquants, regarde tout le long là. Hop, t'es pas fait pour ça, ici, les gars. Mais qui ça? Hier, là, les baleines. Les baleines chiottes, là, les babouches, là, les machins, les gants, les baleines afghans, ouais, c'est ça. Tu sais, 60 bonnes femmes, tu sais, déguisées dans des housses à couettes, et en train de mouiller les espions, là. Puis c'est pas le crazy horse, attention. Celui qui est venu chercher le bout de nichon, walou, il y a que là. Ah ben interdit, c'est formidable, ils n'ont pas le droit. Là. Ça, c'est dans le Coran, ça, ils peuvent pas. Une femme n'a pas le droit de montrer ni un bout de téton, ni un bout de chat, à que là, tu verras que là. Tiens, il y a même du sang, tu regardes. Tiens, il y en a une qui s'est plantée au répète. Tu sais. Ah, j'étais planté, moi j'étais là, moi j'ai tout vu. Là. Ah, l'autre, elle était. Elle a arrêté, elle s'est marchée sur la couette, quoi. Elle a arrêté. Merde, elle s'est plantée, comme ça, tac, tout le pied de micro, c'est comme ça. C'est... Le metteur, il est en scène, il s'est levé, quoi. Ils l'ont caillassé tout à trois. Lance-boulon, comme ça, en pleine poire. Ah, ils n'ont pas les mêmes conventions syndicales, hein, j'imagine. Hein. Moi, j'ai sympathisé avec le gars qui conduisait les camions. Moussaka, Moustapha, gentil, le beau. Qui est en train de potasser son manuel de pilotage, l'autre en arabe. Gentil, bon. Alors moi, par esprit de convivialité, hein, France, terre d'accueil, hein, les droits de l'homme, hein, mon cul sur la commode, alors l'autre, j'ai fait goûter de magnol, toi. Ah ben chez eux, c'est interdit, le magnol. Hein, formidable, ils ont pas le droit. Hein. Non, interdiction formelle, c'est attention, moi. Même sans alcool, ils y touchent pas, pas de gnôle, pas de saucifleur. Pas de musique, que là, les gars. Ah, c'est dans le camp, ils peuvent pas ça. Moi, la musique, ça me ferait pas chier, ça. Non, franchement, quand tu vois les jeunes, maintenant, tu es en discothèque, tu as tortillé les fions et que ça devant trois chiennes, là, c'est... Ah, autant se branler directement. Non, mais c'est vrai, non, mais on va où, c'est quoi? Bref, alors moi, j'ai sympathisé avec le gars, tu vois. Alors, je lui fais goûter de magno, là. Puis moi, je suis originaire de la Basse-Normandie, ouais. Hein, tu es au courant, là-bas, il y a comme un côté gnôle, il y a comme un savoir-faire. Et moi, en sortie d'alambic, je tourne entre 250 et 300 degrés. Moi. Ah ben, c'est conservé dans des fûts en Kevlar, sinon ça fond, le bazar. C'est considéré comme une arme de guerre. Hein, t'es... Moi, avec deux jerrycans dans le terrier, j'étais classé dans les sites à haut risque. Ouais. Non, il rigole pas, la préfecture, il rigole pas. T'es interdiction de construire 800 mètres autour et tout, les gars, t'es... Alors l'autre, t'imagines, Moustapha, là, ça lui a mis un petit coup de préchauffage. Première gorgée, l'autre. Un lapin, l'autre, il tremble la tête partout, l'autre. Alors moi, je lui mets une petite tape dans le dos, je croyais qu'il y avait un petit rototo de coincé. Quoi. Et le gant, tu sais, il me repousse comme ça. Ils sont fiers, les gars. Ils me regardent comme ça. Moi, je plonge sous les fauteuils. Il sort, il avait une kalachnikov. Il l'a sorti comme ça. Il l'a tiré en l'air et tout, les gars. Ah si, ils peuvent faire ça, les gars. Ah, ils ont le droit, mais c'est dans le camp, ça, ils peuvent. Dès qu'ils sont heureux, les gars, ils ont la trique, allez, ils arrosent, on termine. Ah ça, c'est des trucs à savoir. T'imagines, t'habites à l'étage, t'es pas au courant. Toi. C'est quoi, ils se prennent du plomb dans le cul, t'es les gars, t'es les poids. Tu racontes ta vie encore, c'est ça? Quoi? Mais oui, tu racontes ta vie, mais tout le monde s'en fout, René, hein. Tout le monde s'en fout des états d'âme d'un alcoolo qui n'est même pas foutu de tirer la chasse quand il va aux chiottes. Quoi? Bon, c'est pas grave, mais c'est chiant. Merde. Connasse, putain. Pourquoi ils ont été nous foutre une bonne femme en chef de plateau, là? Tiens, non, mais c'est vrai. Non.
Charlie McQuaid. Hein, puis je vois pas pourquoi on se fait chier à préparer la scène, l'artiste principal est pas là. Moi, je l'avais prévenu, le négro, hein, je lui avais dit. Hein. Avec ses conneries politiques, que ça allait lui retomber sur la casquette, hein, le grand. Ben oui, à un moment donné, mais tu, à un moment donné, tu ne mélanges pas les casions et les hein, c'est tout, hein, le grand. Bon. T'as vu ce qu'ils avaient fait avec Coluche, déjà? Tu vas pas me dire que le camion, il était dans le virage pour faire joli, le truc. Ben non, parce qu'à un moment donné, c'est l'intérêt supérieur de l'État. Les gars. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, t'es en train de nous bassiner avec Coluche encore au lieu de bosser, là. Tu l'as même jamais croisé, Coluche, je suis sûr. Quoi? J'ai pas connu Michel, peut-être. Merdeuse, moi, je suis ah ben, Michel, c'était autre chose, hein. Puis un noir président, non. On n'est pas en bambouli que ça. Pourquoi pas une bonne femme alors tant qu'on y est. Ouais, d'accord, mais alors foutez-la à poil. Là, les gars, ils vont voter, là. Taï, taï, tu vas voir, les gars, là. Attention. Oui, tu peux y aller. Ouais. Ceci dit, même habillé, ce serait marrant, une bonne femme. Quoi? Oui, d'accord. Sauf Michel Alliomari, d'accord. Cauchemar. Je comprends rien, ce qu'il raconte. Va nous faire chier combien de temps à passer, à repasser. Comment tu veux bosser? Non, mais là, il faisait chier tout le monde, le négro avec ses histoires, machin. Le ouais, machin, le négro. N'importe quoi, d'accord. Moi, j'étais là, il arrêtait pas, il y avait des journalistes, tu vois, pour faire la promotion du spectacle. Les gars, non, les négros, comme quoi les blancs, ils ont déporté des millions de négros, les gars. C'est fort possible, je veux dire, mais nous, on n'est pas responsables, je veux dire, en Basse-Normandie, on n'a rien fait, que ça. Alors déjà, les Juifs nous ont assez cassé les couilles avec leur histoire de chouïa, on va pas remettre les couverts avec les négros, on va repartir pour combien de temps, là? La Shoah, merde. Oui, la Shuna, si tu veux, la Shuna. Mais là, il dit connerie sur connerie, le gars. C'est bon, maintenant, là. Hein, le français, il en a marre. Je suis désolé, le gars. Le français, tu le prends pour un con une fois, deux fois, mais pas trois. Hein. Mais tu verras qu'il n'y aura personne à son spectacle. À mon avis, il y a des trucs... Tiens, tu peux rester au milieu, là, s'il te plaît, là, parce qu'on est en train de finir les réglages lumière-son. Là. Ouais, mais moi, je suis pas au doubleur lumière. Vous voulez me faire engueuler, moi. En tout cas, je vais vous mettre les prud'hommes au-dessus. Là, vous allez comprendre quelque chose. Si, ben, attends, je vais te lire la lettre que j'ai trouvée dans le salon. J'ai ouvert, bon, par inadvertance, hein, de toute façon. Là. Le truc était fermé. Regarde ce qu'il lui met, le gars. Salut. Alors, attends, parce que j'ai pas mes lunettes, moi. Alors, regarde, voilà. Salut. Blam, 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 blam. Ça, c'est son nom, certainement. C'est rien. Alors, retourne-lui dans ton pays. Et dans ta forêt, avec les singes à qui tu ressembles. Ah là là, le gars, tu sais là, alors attends, c'est pas fini, le gars, attends. Car bientôt, on va faire comme au Kosovo ici, on va virer les bougnoules et les nègres. Suis ce conseil chimpanzé, on te reconnaîtra toujours. Bon, c'est pas signé, mais moi je trouve ça courageux, le gars. Le français, il en a marre. Hein, si les étrangers, ils sont pas contents, ben ils ont qu'à retourner en étranger, les gars. On les retient pas, merde. C'est vrai, merde. Moi, quand je vais en étranger, je ferme ma gueule, je sais me tenir à ne pas raconter des conneries de n'importe quoi, écoute. Ouais, mais c'est peut-être parce que tu parles pas la langue aussi. Hein. Oh non, ça n'a rien à voir, je suis désolé. Ça. Renseigne-toi, non, j'y étais l'année dernière à l'étranger. Hein, les gars, ils me comprennent. Tu sais, oh, dis donc, wow, putain, con. Ils me comprennent, les gars. Mais là, l'autre, c'est un sale con, le gars. Puis tu sais, monsieur, je sais tout. C'est en coulisses, tu les vois tout de suite. Hein. Ah non, t'es prétentieux, le gars. Puis c'est un traqueux, le négro. Hein. Tu sais, faut qu'il aille chier 3-4 fois avant de se lancer sur scène. Hein. Et personne ne le sait, ça. Hein. Puis alors, qu'est-ce que sèche la gnoc, le négro qui pétoche? Oh, c'est pas possible de toi en faire comme ça. Les... Mais c'est... Moi, je peux t'en parler, je m'occupais de sa loge, les gars. Mais c'est dans leur race, c'est pas vrai, ça.
qui dégage, c'est un gaz mortel. Hein, moi, j'étais dans sa loge, non, mais c'est terrible. Hein, tu sais, cette pique, tu comprends pas, t'es là, merde. Ah non, 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 tu t'es déjà retrouvé. Tu sais, c'est pour ça que t'en verras jamais dans des pubs pour parfum des noirs. Hey, sentir le noir, c'est pas un projet, ça n'existe pas. Ça. Tu t'es déjà retrouvé dans un bus à Dakar aux heures de pointe. Ah ben, ça forme la jeunesse, hein. Moi, je peux t'en parler. Si ça prend, c'est les yeux, d'abord. Si tu comprends pas, tu t'es là, merde. Puis après, tout le système nerveux, c'est les pères en sucette, comme ça. J'étais comme ça. T'es au fond du car, j'étais comme ça. Ah oui, j'étais Europe Assistance, 24 heures, ils m'ont raconté. Ils m'ont plâtré 6 mois, les gars, ils savaient pas ce que j'avais. Mais c'est parce que c'est un gaz, tu sais, ça te pique, ça rentre dans la moelle épinière et tout. C'est... Ici, on avait un Antillais avant. Tu sais, comment il s'appelait l'Antillais, on l'appelait le gars. Pourtant, merde, l'Antillais, c'est moins sauvage, un Antillais, quand même. Mais ils ont été dressés, les gars. Hein. Ils sont plus clairs de peau. Si tu regardes bien, c'est pas les mêmes. Hein. Ah non, ils sont plus clairs. Hein. D'ailleurs, grâce à qui? Hein? Si on n'avait pas violé leur femelle pendant 300 ans, mais ils seraient toujours aussi négros, écoute, les gars. Hein, et pour ça, on attend toujours le merci. Eh ben voilà. Eh ben voilà, hein, comme d'habitude, les gars. Hein. Non, mais là, l'Antillais, j'ai failli tourner de l'œil. Hein. Un spectacle de danse, j'étais bloqué avec lui sous les projecteurs. Hein. Il y avait deux, trois danseuses, le gars, il est tourné fou, il transpirait, le gars, il s'est mis, oh là, pff. Non, il en fait, mais j'ai tourné de l'œil. Dans le coma, ils m'ont retrouvé. Là. Ils m'ont descendu avec une coquille, je me suis réveillé 3 semaines après, j'ai rien compris. Et son casier, tu peux y aller, ça fait 10 ans qu'il s'est cassé, quoi. Mais ça, je l'aime toujours. Vas-y, tu vas voir. Et je l'ai passé à tout, hein, à l'acide, à l'eau de Javel. Je l'ai même fait refondre et remouler, le casier. Mais ça change, parce que c'est leur race qui est comme ça. Les mecs, ils sont... C'est terrible, c'est... Non, non, c'est... Merde, c'est terrible, parce que quand tu vois ça... Moi, je suis sûr, tu sais, le trou dans la couche d'ozone. Mais c'est le continent africain qui doit foutre la merde. Mais t'as 1 milliard de négros, là, qui gigotent, t'as rien branlé toute la journée. Imagine le soupe que ça te fout là-haut, ouais. Alors que font les Américains? Que fait la CIA au lieu d'aller se faire chier, je ne sais quoi faire, de l'Afghanistan, je ne sais où? Là. C'est la survie d'une planète dont on est en train de parler, enfin merde. Alors oui, soi-disant, la CIA leur aurait foutu la chiasse, je ne sais pas quoi, que 80% de négros seraient atteints du sida. Oui, oui, bon, je dis que c'est une bonne chose, on avance, mais... Alors, bien sûr, dans l'eau, il y a des gosses et tout, c'est triste. Bon, bah, tu fais pas d'omelette sans casser les œufs non plus. Mais si tu suis la logique, avec le temps qui passe, ils devraient déjà être moins nombreux, les gars. Il y en a des milliards. À Paris, il y en a 1 milliard, il a dit, Le Pen. 1 milliard. Tu les as vus, le 1er mai, la manifestation, là. Il n'y avait que ça, on se serait cru à Yaoundé. Moi, j'ai cru, on est où, là? Moi, ça m'énerve. Moi. Quand je vois ça, ça m'énerve. Qui c'est? Merde, on est chez nous, on n'est pas chez nous, bordel. Mon propre fils, tu sais. Tu sais, et crois-moi, tu sais, j'en ai cru sur la patate. Tu sais, j'en ai parlé à personne, tu sais. Hein, mon fils Jean-Pierre, crois-moi, tu sais. C'est un mouraché d'une négresse. Noir, pire que noir, tu sais. Sénégalais. Sénégalais. Oh la vache. Donc, ils sont en train de nous foutre à zéro, là, qui se tire avec mon môme. Il s'est ramené avec, tu sais, tout chiasseux, le gamin. T'sais. Papa, bras dessus, bras dessous, t'sais, il se lèche la... Dégueulasse, des hauts de cœur. Il se lèche la peau. J'ai envie de vomir quand j'ai vu ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je te présente une vieille caté, rien compris. C'est l'amour, machin, de ma vie. Marié avec, il me fait. Je lui ai mis une tartine, je lui ai dit, tu vas voir. Dégage-moi ça de la baraque et va te laver les mains. C'est autant pisser dans un chausson, le gamin. Bon. Et il avait fait le point sur son petit fion de sauterelle, à l'autre, terminé. Il bah, faut voir aussi le cul qui est travaillé. Moi, j'avais un copain de Elfe Gabon qui était là, qui est René. Ah, ils en connaissaient, ils en étaient frottés de la négresse, ils m'avaient laissé tomber. Avec un pétard comme ça en ligne de mire, le gamin, il va quitter sa trajectoire. Hein. Bah, ça n'a pas loupé, hein. Le CAP électronique et les cours de batterie, tout ça. Il a...
tout ça dégagé, ça c'est... C'est dur, tu sais, pour un père, quand t'as tout fait pour ton gosse, tu sais. Ah bon, bien sûr, j'aurais préféré encore qu'il meure dans un accident de voiture, le gosse. Choisis pas, tu sais, quand ça te tombe sur la gueule, ces trucs-là. Tu sais pas ce qui... Tout m'est arrivé, tu sais, avec saleté de négresse, ça me... Même mon divorce avec Nadine, c'est ça. Hein, c'est vrai que sur la fin, j'ai été devenu agressif, hein, je ne nie pas ça. Il y avait la caresse un peu ferme, bon. Hein, il a quand même déboîté le caisson à coups de tibia, l'autre. 117 fractures, j'ai foutu le dernier coup. Bon, non, c'est vrai, ça se fait pas, on a été broché de partout, l'autre. 30 kilos de furaille, il y avait en plus. Et quand le temps était à l'humidité, tu l'entendais venir, elle grinçait de partout. Elle bipait dans les aéroports et tout. Et qu'est-ce qu'on a pu se prendre la gueule, enfin bon. De la stirée à 52 ans, ça rime à quoi, enfin merde. Et le mariage, et la merde. Non, ça... J'ai fermé ma gueule ici parce que j'ai des cons, mais... C'est j'ai des grosses reins, patates. Et j'ai même été voir un psychologue et tout. Ah, je donnais zinzin, je me mettais à chialer pour un oui, pour un non. À la fin, j'ai eu une publicité un jour avec des chatons. J'étais à la télé, quand j'ai regardé, je chialais. J'étais là, je comprends. Ah non, je devenais ma boule. Hein. Ils m'ont filé des médocs et tout, les gars. Tout ça à cause de la négresse. Non, mais le docteur dit que c'est pas ça. C'est un con, de toute façon. C'est à moitié chinois, espagnol, c'est pas ce que c'est. Quoi. Non, mais là, j'ai bien failli rester, t'sais. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le gars, okay, comme connerie, que j'étais, oui, sûrement à cause de l'histoire de la mort de ma mère, le gars, quand j'avais 5 ans. Non, mais de quoi je me mêle? Non, mais ça va, le gars. Non. Comme quoi, le fait, tu sais, que mon père, tu sais, il est descendu à bout portant, c'était devant moi, que ça aurait des répercussions. Non, mais n'importe quoi, le gars. 450 balles pour entendre des conneries comme ça? Non, mais c'est... Non, mais après, qu'est-ce qu'il m'a dit comme connerie? Attends, tu vas te marrer. La sexualité avec mon père, il m'a parlé. Non, mais tu sais pas de quoi il parle, là. Parce que, tu sais, bon, moi, je raconte, c'est vrai. Ah, bon, ben, ça va, tu sais, moi, je suis pas gêné. Alors, je vais te dire, ah, et puis, je veux dire, qui, je veux dire, ne sait jamais, tu sais, fait ranger une clé de 17 dans le fion. Bon, ça va, non, mais c'est vrai! Et là, c'est bon, là, ça va mieux, là. J'ai changé mes médocs, là, ça... Puis je vais au Sénégal une fois par an, là, faut pas faire les cons, là. Et c'est mon gosse, hein, c'est mon gamin. Par contre, j'ai dit, hein, la femelle, les petits, je vais pas voir ça. Ça pourrait me rendre agressif, ça. Moi, j'ai toujours été contre les mélanges, les manipulations génétiques, les croisements. Ça, c'est... Le métissage, c'est de la connerie, ça. Mais non, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Regarde. Moi, ma femme a été de Montreuil, moi j'ai été de Bagnolet. Mais ça n'a jamais collé. On a pas... Parce que c'est pas la même race. À un moment donné, c'est pas les mêmes repères, c'est le système solaire, tout ça, c'est dit, ça n'a rien à voir. L'autre, elle me parlait à la fin. Elle me parlait, comprends rien. Tu sais, il foutait des tartines, je comprenais rien, ce qu'elle me racontait. Enfin, de là à se tirer à 52 ans, ça arrive à quoi, tu sais. Oh, j'ai morflé, tu sais, ça. Non, mais c'est dingue. C'est quoi ta race, au fait, Jackie? Français. Non, ta race, la race. Ah, Haute-Seine. À 92? Ouais. Ah, c'est autre chose encore. C'est... T'as des taches de rousseur sur le cul ou pas? Ouais. Ouais, mais tu vois, là, on peut communiquer, on peut parler, l'autre, une sénégalaise. Non, mais tout part en sucette, c'est n'importe quoi. Moi, tu sais, je vais te dire, il y aurait que moi une bonne guerre là-dessus, ça s'est terminé. Hein. Non, mais c'est vrai, mais tu sais où, il y a tant que ça à la télévision, de quoi je me mêle. À ce rythme-là, ils vont apprendre quoi, nos gosses, dans 10 ans à l'école? Nos ancêtres, les pygmées, c'est ça qu'on veut? Non, mais on a tout inventé sur cette planète, bordel. Tout, le scotch, le... Même le parler, c'est quand même bien un Français qui un jour a dit, bon, maintenant, arrêtons les gars, parlons français. D'ailleurs.
Qu'est-ce que tu fais, Jackie? Tu l'applaudis maintenant, Jackie, ça non, va il, pas. Il ne l'encourage pas. Hein? Qu'est-ce que tu... Bon, de toute façon, on a arrêté tout, là. Il y a une équipe de France 3, là, à la télé, la France 3 Limoges, je sais pas quoi, qui est là. Voilà. Ils veulent interviewer quelqu'un qui connaît Dieudonné, parce qu'il est mêlé à une histoire de prise d'otage, ou je sais pas, je comprends pas. Voilà, mais Jackie, je viens de le dire, ou je l'ai pas dit ça. Je viens de j'expliquais à Jackie. Ah ouais. Eh oui, ces conneries politiques, ils sont tombés sur la gueule, là. Je sais ça, pas. C'est clair, ils l'ont descendu, hein, certainement. Je sais pas, on comprend pas ce qu'ils disent. Il est mort ou pas? Ils ont dit qu'il était mort, quoi. Je sais pas, il est hystérique, le journaliste, on comprend rien. Il a une coiffure improbable. En plus, c'est difficile de regarder sans rigoler. Enfin bon, bref, c'est toi qui m'as dit que tu le connaissais plus ou moins, Dieudonné. C'est ton fils qui est marié à sa cousine ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu... Ah non, non, on ne va pas dire ce que j'ai pas dit, toi, comme connerie. C'est pas ça que tu nous as dit il y a 15 jours au bar de la Coupole. Non, 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 oh, du nom, oh, ça, ouais, ça ressemblait à ça pourtant. Oui, bah, déjà, ne coupe pas la parole si tu veux parler avec des gens. Et déjà, et d'une. Hein, t'as qu'à dire des trucs intéressants. Mais dis des trucs intéressants et on ne coupera pas la parole. Écoute. Bon, alors tu... Non, ce que j'expliquais à Jackie, j'ai dit simplement. Hein, c'est tout, moi. C'est tout. Parce que, oui, parce qu'il se trouve, voilà, il se trouve que mon fils, ouais. Hein, ce que je t'ai dit, Jackie, ouais. Hein, qu'il est avec. Une négresse, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà, mais moi, je ne sais pas si c'est la même portée ou pas, moi, je ne sais pas. Parce que là, c'est pas pratique. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est foutu de ma gueule. Il est au premier rang, il me regarde, il se fout de ma gueule. Faites-le virer, faites-moi de virer ce gars. Bon, j'y retourne. Hein. L'habitude de faire ça. Complètement con de faire ça. Bonjour, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Allez, on y va. Quoi? Comment ça, il est 14? Mais 14 ans, on était dans le genre d'embouteillage. On n'a pas fait exprès, hein, on n'a pas. Comment ça, la prise d'otage est terminée, hein? Ah oui, mais attention, là. Oui, mais moi, je repars pas sans image. Hein. Tu leur as dit, tais-toi. Tu leur as dit que c'était pour François Limoges ou pas? Tu leur as dit que c'était pour François Limoges ou pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit, devant? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et la liberté de la presse, alors tu lui as demandé la liberté de la presse? Bon, c'est pas grave, tu ne sais pas, tais-toi. Il y a de l'activité devant la maison, on va dire qu'ils sont dedans. Hein? Mais si, tais-toi, zoom. Vas-y, zoom sur moi, zoom. Voilà, comme ça, tu me corres avec la maison en fond, comme ça. Hein? Tais-toi, fais ce que je te dis, ne réponds pas. Francis, demande à des flics de passer derrière moi en uniforme, là. Ceux qui sont assis, là, ils n'ont rien à branler, les gars, tu leur demandes. Ah, tu veux dire, c'est pour... Mais non, c'est pour France 3, ils vont le faire. Tais-toi. Ne réponds pas, quand je... Vas-y, fais-le, tais-toi. Bon, Jean-Jacques, il est bon le son, là? Jean-Jacques? Ah! Eh, y'a l'autre, mais réveille-toi, mon vieux. Mais non, il est à moitié sourd, de toute façon, tais-toi, vas-y. Bonjour, madame, c'est qui, c'est de là? Bonjour, mesdemoiselles, hein? Ah, c'est un homme, ça? Ah, d'accord. C'est un voisin, il a entendu quelque chose, là, ou quoi? Il parle quelle langue? Je comprends rien, ça. Ah, c'est du français, ça? Ah ouais, c'est plus un accent, t'es fou. T'as 70 bornes de Paris, c'est fou, on comprend rien. Mais... Bon, on va dire qu'il a entendu des coups de feu, hein. On va dire que vous avez entendu des coups de feu. Hein. D'accord, mais mettez-vous là, on va vous mettre un coup de peigne, là. Et si. Non, la femme, non, partez-vous. Non, à 19h, il y a des enfants devant la télé, attention. Hein, on peut pas faire n'importe quoi. Partez, madame. Oui, mais sortez du champ, là, vous me dérangez. Là. Marchez une heure. Voilà. Allez, on y va. Mettez-vous là, monsieur, mettez-vous là. Et voilà, un petit coup de paye, un coup de chercheur, même si t'as de la flotte, parce que là, c'est... Allez, on y va. Ne réponds pas. Pardon? Nadège, elle est où, Nadège? Eh ben ouais, mes fiches! Ben alors, il est arrivé à quoi? Comment ça, tu les as dans la poche? Oui, c'est bon, ça va. Eh ben, tu fermes ta gueule, tu la fermes. T'es stagiaire, tu la fermes, tu la ramènes pas.
Ne réponds pas, tais-toi. Baisse les yeux comme ça. Non, mais fais chier, l'autre, elle est stagiaire, non, mais ça va. Bah, allez, on y va, tais-toi, toi aussi, on y va. C'est moi qui donne le top départ, on y va. Ah. Hein, c'est moi qui vais, allez, j'y vais. Je me trouve actuellement devant le 12. Le 12 de l'avenue des Martyrs d'Ouvéa à Plessac-les-Nir. Pardon. Attends, coupe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui a fait ses fiches chez toi, la neige? Mais tu dois simplifier quand tu fais tes fiches, enfin merde. Qu'est-ce qu'on vous apprend en école de journalisme? Tu dois simplifier, bordel. Tu dois te mettre à la place du téléspectateur lambda. Hein, le connard de base, d'accord? Ben oui, mais oui, non, je suis désolé, ça veut rien dire. Il y a marqué Mareuil sur le panneau. Ben tu mets Mareuil, c'est simple, ça. Quoi, 60 km? Oui, bon, ben ça va, t'es dans le coin, je sais pas. Enfin, un cours de géographie qu'on donne. Non, mais tu veux m'apprendre mon boulot maintenant, tu sais quoi, ça? Mais non, mais elle m'emmerde, l'autre, maintenant, ça va, hein? Laisse-la, regarde-la, laisse-la, alors. Ah, j'ai envie de te jeter des caillasses, des fois. Elle apprend son boulot, et alors? Hein, tu simplifies, regarde l'avenue des Martyrs d'Ouvéa, c'est quoi, ça? Mais tout le monde s'en fout, personne ne connaît les Kanaks. C'est quoi les Kanaks? Eh bien, tu mets Général de Gaulle. Quand tu sais pas, tu mets Général de Gaulle. Eh oui, mais là, le public peut s'identifier. Là, les gens connaissent. Tout le monde sait que le gars, bon, il donnait une émission de radio là, pendant la guerre. C'est tout. Ne réponds pas, ferme-toi. Mets-toi là comme ça. Et ne réponds pas, ne dis rien. Tais-toi! Voilà, on y va. Mais oui, mais elle m'emmerde, l'autre. On y va. Voilà, c'est ça, tais-toi, toi, si on y va. Allez, j'y vais. Hein. Je me trouve actuellement devant le 12 de l'avenue du Général de Gaulle à Mareuil, hein, où le comique Dieudonné, blama, hein. Attends, coupe, quoi? Qu'est-ce que c'est, blama? C'est son nom, ça? Mais je croyais que la Légitimus, on l'appelle, ou je sais pas quoi. Oui, bon, ben, tu mets Dieudonné à ce moment-là. Tu veux pas mettre son groupe sanguin, t'en comptes entier? Allez, dégage. Non, mais tire-toi. Non, mais qu'elle dégage. Dégage! Non, mais ça sert à quoi d'avoir des stagiaires si ça te prend la tête et ça te, voilà, ça te fait perdre ton temps complètement? Allez, on y va. Tais-toi, toi aussi. On y va. Voilà, je m'occupe pas. Là, je vais le faire tout seul. Non, c'est bon. Je me trouve actuellement devant le 12 de la ville du Général de Gaulle à Mareuil, où le comique Mousse Diouf est actuellement retenu en otage. Pour l'instant, peu d'informations ou presque sur l'identité de ses ravisseurs. La piste islamiste a bien sûr été avancée, mais difficile de déterminer pour l'instant l'intérêt symbolique d'une telle action. Certains ici avancent même l'hypothèse d'un gag, d'un coup de pub un peu désespéré de cet artiste en très nette perte de vitesse ces dernières semaines et qui aurait trouvé là l'occasion de se faire remarquer. Mais tout de suite, en exclusivité pour France 3 Limoges, un témoin essentiel de ce drame qui a entendu tout ce matin des coups de feu en provenance de la souricière. Alors, monsieur Palout, hein, que s'est-il passé très exactement, monsieur Palout? Voilà, coupez, tais-toi, on s'en fout. Pardon? Non, mais là, tu changes de valeur de plan, tu te mets là, tiens, mets-toi là. Voilà, tu le prends comme ça, les gars. Hein? Pardon, monsieur? Comment ça, vous appelez Rodriguez? Oui, bon, ben, oui, ben, c'est très bien, je suis content pour vous. Quoi? Mais j'ai dit Palout parce que on est professionnels, nous, mon vieux. Hein, nous. Eh oui, mais nous, on a un devoir d'objectivité, monsieur. Et voilà, Rodriguez, les gens ne comprennent, on n'est pas en Espagne. Les gens ne peuvent pas comprendre. Hein. Eh oui, mais non, mais il faut réfléchir. Ça. Comment ça, vous n'habitez pas là? Il n'habite pas là, là-dedans? Oui, bon, ben, ouais, mais toi, t'habites là? Oui, personne. Moi non plus, personne n'habite ici. La réalité, t'entends le gars, la réalité, il est marrant le gars. Mais la réalité, mon pauvre ami, mais votre réalité, tout le monde s'en fout de votre réalité. Si la réalité intéressait les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, abruti. Oh, n'importe quoi, non mais n'importe quoi. Le gars. Mais non mais. Mais je ne te tutoie pas, crétin, j'essaye de t'expliquer. Tais-toi! Qu'est-ce qu'il veut voir, le français, quand il allume sa télé? Ne réponds pas! Qu'est-ce qu'il veut voir, le français? Il veut du rêve et il veut de l'émotion, le français. Eh oui, ben oui, mais Rodriguez, ça vous fait pas rêver, moi. Voilà, hein, vous êtes maçon, c'est parce qu'on s'en fout, de toute façon. Hein? Non, l'information n'a rien à voir avec un spectacle, Jean-Jean.
Eh ben, je suis désolé, tu la fermes. Tu te... mais tu es caméraman, tu es caméramine et tu nous lâches. L'information, je suis désolé. Hein, là, il y a des stagiaires qui t'écoutent, alors ne dis pas n'importe quelle connerie. Hein. Hein, l'information, non, c'est important. Hein. Qu'est-ce qui nous intéresse à nous, journalistes professionnels? Nadège, viens, reviens! Qu'est-ce qui nous intéresse à nous, journalistes professionnels? C'est de mettre en scène l'information, d'accord? Hein? Oui, oui, mais dans un souci d'objectivité. Hein? Moi, j'ai toujours été objectif. Je n'ai jamais donné mon point de vue personnel, c'est bien simple. Pourquoi? Parce qu'il ne m'intéresse pas, Nadège, c'est tout. Et crois-moi que ça m'a posé pas mal de problèmes dans ma vie privée. Hein? Tu te souviens, ma première épouse, là, Isabelle, qu'est-ce qu'elle a pu m'emmerder? Chérie, tu m'aimes. De grâce, madame, reste objectif. Ah, t'es là, oui, mais tes enfants, tu aimes tes enfants, elle me disait, je n'ai aucun point de vue sur ces personnes. Laissez-moi vivre. Ah, elle s'est cassée, je m'en voulais plus en entendre parler, c'est tout. Hein. Ah, avec les enfants, je les ai remis revus, mais non, mais elle ne supportait pas mon objectivité. Ah, mais oui, mais nous, c'est notre devoir. Hein. Ah, il faut beaucoup de sacrifices et d'éthique pour faire ce travail, Nadège. Tu verras. Ah, ouais. Voilà, ah, ouais. Mais tais-toi maintenant, parce qu'après, c'est n'importe quoi. Allez, on y va. Ferme-la. Allez, on y va. Allez, on est sur vous, monsieur Paloute, là. C'est à vous maintenant. Hein. Voilà, t'es sûr, monsieur Paloute? Ben oui, la lumière se couche, alors il faut y aller. Pardon? Comment ça? Non, vous bougez la bouche, c'est tout. Hein, on s'occupe de tout. Quoi? Pourquoi il rit, le gars? Ben, allez aux toilettes. Allez. Il se pisse dessus, le gars. Non, c'est normal, c'est le trac, ça. Ben allez, tiens, profites-en. Va faire un plan de l'église. Voilà, les monuments aux morts, les conneries du coin, pour qu'on identifie le truc. Ben oui, je sais bien qu'on n'a pas le temps de faire une information de qualité, c'est pas moi qui vais l'apprendre. Ah ben c'est pas comme aux États-Unis. Mais moi j'y étais. Hein. En septembre j'y étais. Hein. Enfin je suis arrivé le 14, mais enfin j'étais là. Moi ils m'ont mis une claque. Hein. Les Ricains ils m'ont mis une claque. Hein. Ah non ils ont 20 ans d'avance. Hein. Ah les Américains ils ont 20 ans d'avance. Moi je suis arrivé là-bas puis les observateurs occidentaux on a été chouchoutés. Hein. Ah ouais on est arrivé tour en hélicoptère de tous les décors et tout. Ah super, tu sais, les équipes techniques, 50 caméras en numérique. Ah, il y avait tout le monde, les dresseurs d'ours, les cracheurs de feu. Mais c'était Hollywood. Résultat, ils ont fait péter le dimanche, les gars. Parce qu'ils savent bosser. Hein, hein? Mais non, mais regarde, deux jours après, c'était la minute de silence dans le monde entier. Hein, et tout le monde voulait casser du bougnoul. Même moi, je veux dire, tiens, on a un épicier marocain, bah, chez moi. Là. À tous les moments, on est descendu, on lui a cassé la gueule. Mais t'es marrant, on avait peur, t'es marrant, toi. Le gars a les clés du local à poubelle. Qui te dit qu'un jour, il va pas se faire sauter dans les poubelles? Ben, ce sont nos poubelles, je veux dire. On ne fait pas... Mais non, mais regarde, Bush remontait dans les sondages. Au passage, il récupérait des puits de pétrole en Asie centrale. Et ben, ni vu ni connu, parce qu'ils savent bosser, les gars. C'est tout, hein. Ben Laden. Non, tu fais exprès ou t'es contre? On sait jamais. Mais c'est pas le vrai que t'as vu sur les cassettes en douille. Mais je te dis, c'est un figurant, je l'ai croisé à Las Vegas, le gars. Bref. Ils ont tourné ça deux jours avant. Mais je te dis, je l'ai vu. Bref. Il était aux machines à sous, il sait plus quoi faire de son fric. Là. Ah non, c'est Smaïn qui a fait le con en refusant le rôle, crois-moi. Mais tais-toi, mais tu ne sais rien. Eh bien, ferme-la, physiquement, tu fermes ta bouche. Aujourd'hui, dans l'information, avec un peu d'audace et des moyens. Ne réponds pas, ne cherche pas à communiquer avec moi. Non, mais tu m'écoutes, c'est tout. Tu te tournes de toi et fous le camp, même. Aujourd'hui, dans l'information, tu as le pouvoir suprême. Mais ne parle pas! Regarde Berlusconi. C'est l'exemple pour nous tous, journalistes. Parce qu'il a tout compris, cet homme. Parce qu'il sait que l'information, c'est le pouvoir depuis toujours. Mais même les religieux en sont conscients, tout le monde, depuis toujours. C'est le triptyque, ça. T'as fait ton service catholique, autant... T'es quoi, toi? T'es de quelle religion? Voilà, t'es athée, t'es trop con. Chez nous, les catholiques, c'est le triptyque, ça. Eh bien, c'est-à-dire Rome, Romus, Romae, Rome... L'Empire romain, en douille. Rome... La puissance, Rome, l'Empire, hein, l'Occident, c'était, voilà, le pape, hein, papus, papette, enfin, et Berlusconi. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Arrêtez avec ces appareils photo. Je ne suis pas une star de cinéma, messieurs. Alors, je vous demande un minimum. Voilà, s'il vous plaît. Arrêtez avec ces appareils photo. Oui, écoutez, je suis avocat. Hein, voilà. Alors, les accusations portées sur mon client, hein, monsieur Blablabla, sont des accusations, comme je l'ai dit encore ce matin à la cour, sans aucun fondement rationnel. Hein. Je crois qu'encore une fois... Excusez-moi. Oui, écoutez, madame. Oui, mais mon client est pour l'instant à l'hôpital. Hein. Voilà. Hein, c'est de l'honneur d'un homme dont il s'agit. Ne tombons pas dans le procès d'intention un peu facile auquel les médias ont l'habitude de se prêter. Je crois qu'une fois de plus... Alors, tout à fait, tout à fait. Voilà. Voilà. Alors, voilà, moi je ne peux pas me prononcer, si vous voulez, sur l'indépendance ou non de la justice. Voilà, moi je ne sais pas. Hein. Et voilà, oui, oui, je ne suis qu'avocat. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je prends 800 francs hors taxes de l'heure, hein, pour interpréter les lois dans l'intérêt de mes clients. C'est tout ce que je peux faire. Hein. Mais au final, nous subirons, comme vous tous, la décision du juge. C'est lui qui fait autorité, c'est lui qui... Ah oui, oui, c'est le grand marabout, comme on l'appelle ici. C'est ça, non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Hein. Ah, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire, ils ont une fonction. Mais oui, mais la mise en scène le suggère, si vous voulez. Ah ben oui, la cour, tout le monde se lève, le gars, il pète les plombs. Hein. Ici, on en a un à la 17e chambre correctionnelle, si vous voulez rigoler. Vous allez voir, il s'est fait installer son perchoir à 8 mètres du sol. Non, mais c'est, il s'est fait dessiner un petit nuage blanc, vous savez, en coton avec une barbe blanche, n'importe quoi, le gars. Ah, ils se prennent pour Dieu. Ah, mais c'est comme ça. Moi, j'ai plaidé devant lui la semaine dernière. Avec un père divorcé, bon, le pauvre qui n'avait pas vu ses enfants depuis 15 ans, donc c'était une situation un peu difficile. Hein. L'autre n'écoutait pas, il jetait des éclairs comme ça. Vous êtes le mal, peine maximum, n'importe quoi, les gars. Alors mon client a jeté sa chaussure parce que. Mal lui en a pris, 5 en ferme, il a pris. Hein. Ah oui, oh, mais c'était dur, hein. Même le procureur a trouvé que c'était dur. Hein. Pourtant, un dur, le procureur, un de ceux qui est pour la peine de mort par étirement, un truc du Moyen-Âge, imaginez. Ah, la peine de mort revient en force. Avec les élections, la législative. Hein. Voilà, voilà. Avec Pasqua, bon, avec des idées nouvelles, hein, c'est vrai. Hein, la purge au gasoil. Ouais, l'étirement entre deux 4x4. Non, c'est vrai, c'est original. Hein. Certainement des choses qu'ils ont testées en Algérie, on ne sait pas. Mais... Ah oui. Moi, je pourrais vous en raconter comme ça des tonnes. Hein. C'est ce que je dis, parfois, il y a de quoi écrire des sketchs. Non, c'est vrai. Ah, tout à fait. Ah, mais vous savez, dans la justice, c'est de pire en pire. Hein. Si les gens savaient comment fonctionne la justice aujourd'hui, je vous assure que beaucoup de gens arrêteraient de payer leurs impôts. Mais je vous le dis comme je le pense. Alphen, le juge Alphen, j'ai suivi l'affaire parce que je connaissais très bien la... Oui, c'est le HLM de Paris, celui qui a convoqué Jacques Chirac l'été dernier. Il est au chômage aujourd'hui. Hein. Vous imaginez bien que... ils l'ont laissé inspirer pour le principe. Hein. Puis dès que c'est devenu chatouilleux, ils ont dit, maintenant tu vas jouer avec tes crottes de nez, mon vieux. Hein. Avec tes crottes de nez, j'étais dans le bureau, j'ai entendu la hiérarchie dire avec... Alors lui a dit, j'ai pas de crottes de nez, oh, il a fait le con, mais enfin ça n'a servi à rien. Je veux dire, c'est... Il s'est raccroché à la vérité. Pourtant il le sait, je veux dire, dans nos métiers, la vérité c'est accessoire. On juge à la gueule du portefeuille, hein. Comme dans n'importe quelle activité, hein. Je veux dire, on n'est pas non plus... beaucoup, énormément, de plus en plus. Énormément. Mais aujourd'hui, quand vous avez les moyens qui vont bien dans la justice, vous pouvez... Tout vous permettre. Hein. C'est de pire en pire. Hein. Mais le juge Alphen, il s'est raccroché à la vérité, il le sait. Pourtant, moi, je lui avais dit, prends ce qu'on te donne et tire-toi. Hein. C'est comme ça que ça marche, hein, la justice. Beaucoup d'enveloppes. Énormément de sous de table. Hein. Ça tourne, la caméra? Oui, je jure, c'est un peu hors sujet par rapport à ce qu'on se disait. Oui, ça tourne ou pas? La caméra, oui. Non, parce que je vois la petite lumière rouge dessus. Ça rembobine, d'accord, très bien. énormément. Moi, ça m'arrive régulièrement. Hein. C'est de toucher des enveloppes. Mais c'est-à-dire, c'est pas avec ce qu'on gagne officiellement qu'on va s'en sortir aussi. Hein, mais... Alors moi, comment ça se passe? Après quelques tractations avec les parties adverses, hein, ça m'arrive d'enfoncer mes propres clients. Hein, Voilà, je les laisse se faire condamner alors que ce sont eux les victimes. Hein, c'est ça. Ah oui, c'est dégueulasse. Croyez-moi. Hein, encore ce matin, une affaire de viol sur mineur, vous savez. Hein, la pauvre fille violée par son beau-père pendant 5 ans et condamnée à 3 ans ferme. Non, parce que... Pour provocation sur adulte consentant. Non, parce que... Heureusement, là, il y avait une jurisprudence, mais des fois, il n'y a même pas. Mais c'est comme ça. Non, mais c'est terrible. Mais c'est comme ça. Si vous avez de l'argent dans la justice, mais vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez taquiner de la rondelle de nourrisson en public. Mais c'est... Il vaut mieux aller faire ça aux Philippines, c'est sûr.
Mais non, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la société qui est ainsi faite. Moi, je n'y peux rien. Nous ne sommes là que pour commenter, pour observer, c'est tout. Hein. Ah, mais oui, mais c'est... Ah oui, ça fait mal au cœur. Ah oui, ça fait mal au cœur. Enfin, tant que c'est au cœur. Mais moi, j'adore. Mais il faut déconner. Mais moi, c'est tout ce qui me reste. Hein. Il faut déconner. Il hein. faut qu'on déconne, parce que là, c'est... Ah, mais c'est partout, partout, même à l'intérieur de la magistrature. Hein. Il y a des malades. Et on a comment il s'appelle, le doyen des avocats. Le bâtonnier, comme on l'appelle. Croyez-moi qu'il porte bien son nom. L'autre. Voilà, il s'est fait choper là, la semaine dernière. Hein. Hein, pendant la déposition d'un violeur multirécidiviste, à l'énoncer tous les détails sordides, hein. Il a été chopé en train de se masturber sous sa robe d'avocat. Hein. Devant les familles, devant les caméras, devant les témoins. Ah ben là, il a eu un blâme. Je lui dis, on fait pas n'importe quoi. Non, mais c'est l'image de la magistrature. Beaucoup, beaucoup de détraqués sexuels dans la magistrature. Énormément. Oh, 90%. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, oui. Ah non, mais c'est... Bon, moi, c'est différent. Nous, on est avocat, on est un peu à l'extérieur. Hein. Oui, puis moi, je veux dire, je suis marié depuis 15 ans. J'ai une vie sexuelle parfaitement équilibrée. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Il y a mes collègues qui font des blagues. Arrêtez les cahiers de la caméra. Là. Non, arrêtez. Non, parce que voilà, il me charrie un peu parce que j'ai fait refaire les seins de ma femme il y a un mois. Voilà, c'est le seul petit délire que je me suis autorisé. Je veux dire, il y a rien de méchant, quoi. Je veux dire, c'est... Hein, d'autant qu'on n'a pas touché la caisse. Hein, je l'ai juste fait remonter en Pirelli, si vous voulez, du 115C. Juste pour la ligne. Voilà, non, voilà, plus raisonnablement, voilà, le gros problème aujourd'hui dans la magistrature, c'est le temps de traitement des affaires. Mais aujourd'hui, un divorce peut durer 15-20 ans. Mais oui, mais moi, j'ai vu des couples se reformer en désespoir de cause. On n'en parle pas assez de ça. Mais moi, j'avais un chef d'entreprise de la région, important, hein, bon, je tairai son nom, hein, bon, qui avait refait sa vie hein, avec une femme de 16 ans. Et un Tsung Lee, je me souviens, superbe, une Thaïlandaise, hein, bon, qu'il avait ramené d'un voyage d'affaires. Tsung Lee, ouais, superbe, c'est des modèles très courts, très racés, magnifiques. Une première main, ce qui était assez rare dans ces années modèles. Et il en était content, mais il était obligé de s'en séparer. Hein. Ah, il l'a abandonné dans le 13e arrondissement, sur le trottoir. Mais pas, découragé par les procédures. Et il n'y a pas que les divorces. Et il n'y a pas que les divorces. J'ai en ce moment le dossier d'une femme, moi, qui a attendu 35 ans pour obtenir la garde de son fils. 35 ans. Non, mais à ce rythme-là, on va droit dans le mur, au mieux. Hein, mais oui, mais vous savez, je crois de toute façon que la justice sera amenée à disparaître dans les années qui viennent. Oh, ouais. Et oui, le fait que de moins en moins de gens y croient, vous savez, ça a complètement tué l'activité. Beaucoup d'entre nous se recyclent aujourd'hui sur des segments plus porteurs, hein, comme par exemple la défiscalisation, hein, le blanchiment de la nouvelle économie, je veux dire, la nouvelle économie. À moins qu'on soit privatisé, voilà. Hein, comme aux États-Unis, il faut voir, hein, voilà, et qu'on soit racheté ensuite par les tribunaux militaires américains. Ouais. Ah, il en a été question après le 11 septembre, là. Oh ben pourquoi pas, à la limite, hein, l'armée la plus puissante du monde, bon, ben qu'ils aient l'armée, la justice, à la limite, ça paraît cohérent. Ben, à tout cela, bien sûr, dans un cadre d'éthique irréprochable, attention, hein, celui des droits de l'homme. Hein. Ah, la justice tient compte des droits de l'homme, faut pas dire ça. Ah ben moins que le droit des États-Unis, peut-être, hein, puisque ce sont eux qui payent aussi, hein, il faut voir. Eh oui, mais non, mais là, c'est de l'anti-américanisme primaire, je dirais. Hein. Ouais, non. Ah non, non. Les Américains, dans la justice, je dirais qu'ils ont 20 ans d'avance. Ah oui, 30 ans même. Ah oui. Ah bah sauf bien sûr quand vous êtes pauvre, innocent et que vous voulez passer dans les couloirs de la mort, peut-être. Pourquoi tu restes comme ça? Muret, c'est pas comme ça au milieu de la route. Mais viens là. Mais t'attends que le feu soit rouge. Là, tu bloques les gens, là. Quoi? Vas-y, feu rouge, bloque. Bloque la voiture. Bonjour, madame. Ça va, madame? Pardon, madame? On vous fait le pare-brise, madame? Vas-y, fais le pare-brise. Pardon, madame. N'aie pas peur, madame. La peur, là-dedans. N'aie pas peur, madame.
J'ai pas été faire mal, madame. C'est des produits américains, madame. Ça. Ah, si, 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 c'est essence de jojoba, essence de. Ah, non, non, ça c'est bien, ça, madame. Ça vous protège contre tout. C'est des projections des stigmons, c'est des chemons, des pigeons voyageurs, tout ça. Pardon? Pardon, madame? Non, mais quoi? Quoi, t'as tout mis là? Là, t'es fou, faut changer le pare-brise, t'es malade ou quoi? C'est rien, madame, ça. Voilà, faut laisser sécher, c'est tout. Hein. Ah, il est là une semaine au moins, parce que là, il a tout mis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est 2 euros, madame, s'il vous plaît. Vous voyez, mais vous créez un embouteillage, madame. Vas-y, dégage-toi, connard! Eh oui, dépêchez-vous. Non, j'ai pas la monnaie, pardon. Attends, bloc. Non, je peux pas vous laisser partir, madame. Eh ben, vous avez vu vos pneus, madame? Ils sont morts, ces pneus. Là, il y a non-assistance à personne en danger, madame. Eh oui, mais là, je risquais la prison à perpétuité, moi. Non, c'est pas aux moulures du pneu qu'il faut regarder, madame. C'est au flanc du pneu, madame. Vous avez... Non, j'ai pas peur, j'ai pas été piqué. Elle a trop peur, là. Là. Redescends ton carreau, mais attention, madame. Regarde, c'est au flanc du pneu. Tu vois pas? Attends, bouge pas. Tu vois, il est mort, ce pneu. Regarde. Hein? Non, je te montre. Regarde, tu vois? Il est usé, si tu veux. C'est... Non, c'est là, sur l'épiderme, c'est qui forme la voûte, comme la voûte plantaire du pneu, comme ça. Mais oui, mais c'est là où se loge toute la merdasse, tout ça. C'est ça. Ah non, mais là, 10 mètres de plus, il est explosé, madame, ce pneu. Mettant votre vie, c'est celle des autres en danger, madame. Eh oui, mais la route, tu chaque année 100 millions de personnes, madame. En banlieue parisienne, bien sûr, madame. Pardon? Il est mort. Non, vous êtes sur la jante, madame. Eh bien, allez. Non, mettez-vous là, on va vous le charger. Mais non, on va vous faire ça gratuit. Mokhtar, il va vous faire... Viens là. Ah, l'autre, avec le bonnet rasta, il va vous faire ça. Bonnet rasta, avec les yeux rouges, vous pouvez pas vous tromper. Ça, c'est la pollution, madame, la pollution. Mokhtar, bombe anti-crevaison scotch pour madame. Voilà, il change lui le pneu, même, carrément. Pardon, madame? Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur. Pardon? François Limoges? Pourquoi qui? Ça tourne, là? T'es fou, toi. Et ça passe à la télé, ça? Dégage, Mokhtar, quoi? Ouais, moi. C'est moi le responsable, là, sur les sites, là. Pression des pneus, on fait, c'est ça. Pare-brise, pression des pneus, c'est tout. À porte de la porte-maillot, porte de la chapelle, là. C'est moi le responsable, j'ai une quinzaine de jeunes de 15-16 ans, roumains, albanais, tu sais, yougoslaves. Bah, on est les seuls à pouvoir les accueillir dans nos structures aussi, c'est ça. C'est vrai, nous, il n'y a pas besoin de papiers, rien du tout. Hein. Ça, c'est un plus pour eux, parce que tu veux des papiers, tu te les fabriques. Moi, ça ne me dérange pas, c'est pas... Les gens de l'Est, ah, faut pas dire ça, ils sont méchants. Hein. Ah non, je vous assure, c'est du coupeur de tête, c'est du mangeur d'hommes, la moitié. Moi, j'en ai 3, là, Zarek, là. Ça, c'est méchant, ça a 13 ans, ça. Ça a été élevé en cave pendant la guerre, c'est méchant, c'est attention. Hein. Ça a vu le jour à 12 ans, je te cache pas maintenant. Ah non, il cherche même pas à parler la langue, l'autre, il te l'arrache, hein, s'il n'est pas content. Hein. Non, je les ai sortis, ils étaient dans le trafic d'organes, là, tous les 3. Si, c'est sur Paris, dans leur coin, là-bas. On a gardé des contacts, hein, si vous avez besoin d'organes, on ne sait jamais. Hein. Et c'est 3500 francs le rein, à peu près 6000 francs les deux, faut compter. Voilà, jusqu'au 30 janvier, faut se dépêcher. Pardon? Ce sont des organes en très bon état, monsieur. Ah non, c'est vrai, c'est livré en glacière et tout, la vérité, super propre. Ah ouais, non, puis c'est tout frais, c'est jeune, c'est sportif et tout. Et tout ça, ça sort du gymnase club. C'est vrai, c'est un secret pour personne. Non, il y a une génération de jeunes, là, on les tient plus, je te promets. Ah, ils sont méchants, t'es fou. Non, t'en as toujours qui veulent s'intégrer, voilà, faut pas mentir quand même. Voilà, non, les filles mères, les trucs comme ça. Moi, j'en ai 3, là, des roumaines, là, qui me sont arrivées par container, là, je suis content. Là. Ça, c'est pas méchant, ça. Non, parce qu'il y a les gamines, voilà, c'est pour les gamines, elles restent en vie, toi, elles essayent de se tenir. Elles veulent s'intégrer, moi, je leur dis, bien sûr, je vais t'intégrer, je leur dis. Avec moi, tu vas être intégré, je leur dis. Enfin, tu vas intégrer, en tout cas, dans ta petite tête de piaf, et je leur dis que tu seras toujours de la merde pour les Français, je leur dis. Ça, c'est important, ça, c'est le premier stade d'intégration, c'est clair. Hein. Et t'as vu, 17% aux élections, elle est trop fort. Ah ouais, non, maintenant, c'est clair, maintenant, c'est. Ah non, moi, avant de comprendre ça, j'étais vraiment un voyou, je te jure. Maintenant, je suis une racaille honnête, je fais mon business, terminé. Tranquille, dans mon coin, vraiment. Ah ouais, maintenant, je vous laisse faire votre business, tu sais, avec toute votre racaille.
Voilà, vos Chirac, vos machins, elle est trop forte. Chirac, oh, trop puissant. Là. Ah ouais, c'est un trop gros voyou. Là. Ah, total respect pour le gars, franchement. Combien il a piqué, là, 10 milliards. Là. Ah ouais, pour nous, c'est un exemple, quand même, c'est vrai. Ah ouais, franchement. Chirac, ah non, non, trop fort. Combien les HLM de Paris, là. Tu sais, les trucs, là, qui construisaient les cages à la fin, là, pour les miséreux. Ah, il a tout piqué, tout le blé, là. Il a même pas laissé un euro, là. Ah, trop puissant. Ah non, non, trop fort. Pour moi, c'est le prophète. Tu sais, quand le juge, là, parce qu'il avait tout piqué, là, alors le juge, il l'a convoqué, là. Voilà, il lui a dit, ouais, t'as trop volé, toi, viens là, convocation. Chirac, il a dit, ouais, t'as raison, regarde, Zizou. Hop, hop. Il lui a esquivé sa mère, direct, là. Et comme ça, dans le cul, le juge. Il lui a mis dans le cul, le juge, trop fort. Trop fort, Chirac est trop puissant, là. Ah ouais, 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 trop fort le Lascar. Jospin, ah non. Il pleurnichait trop l'autre, hein, je te promets. Hein. Pour ça, les gens, ils ont zappé. Hein. Ah non, non, c'est comme les Roumaines que je fais traîner dans les RER, c'est pareil. Il y en a une d'ailleurs, je l'appelle Jospin. Je te promets. Hein. Toujours, tu as pleurniché l'autre. L'autre jour, tu sais, la vérité, je l'avais oublié dans les RER. Non, mais franchement, je veux dire, le week-end, toi. Non, je veux dire, voilà, c'est chauffé, toi, il y a de l'eau, toi, c'est peut-être même mieux que chez elle, toi. Tu sais, je lui ai même pas compté, toi, le petit défraiement. L'autre, elle vient comme ça, le lundi, elle sort comme ça, ouais, elle commence à m'agresser, on a droit à 35 heures, elle me dit. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, Jospin, qu'est-ce qui t'arrive? Non, les 35 heures, les 35 heures. Je lui dis, qu'est-ce que t'as sniffé comme col, espèce de serpillère? Tu veux pas les tickets restaurant, le 13e mois, ton tien, non? Non, on y a droit, on y a droit. Elle m'agrippait carrément, l'autre. Ah, je vais savater sa mère, direct, je te jure. Et s'il voyait déjà, l'autre, tu sais, avec le brushing, la carte de sécu, c'est ça. Mais c'est ça le problème des miséreux, tu sais. Tu leur donnes rien, tu sais. Juste de quoi survivre, quoi. Après, ils sont bien, ils te prennent la tête, je te promets. Hein. Ça leur paraît normal de vivre, tout d'un coup, ils sont là. Ils sont comme ça. Là, ils sont fous, les pauvres, la vérité. Mais nous, notre système, c'est plus souple aussi. Moi, ce que je fais, je prends 30% à la source, moi. Sur tout ce qu'ils gagnent, voilà. À 30-40% même. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils s'entretuent, ils se droguent, c'est pas mon business, la vérité. Hey, je vais pas les racketter par derrière, là, comme vous faites. Là. Ouais, vous êtes bien des enquiers. Remarque, t'as raison, le français, tu peux te le faire des deux côtés, l'autre, pourquoi tu vas être gêné? Tu lui taxes son salaire d'abord, après, tu lui laisses un petit peu saliver sa mère, comme ça, toute l'année, comme ça. Après, fin de l'année, comme ça, tu lui taxes sa race avec les impôts. Il est content, l'autre? Hey, il est encore content, l'autre. Hey, tu lui braques son blé, l'autre, il est content encore. Je suis sûr, tu peux même derrière, tu peux lui faire chanter la Marseillaise, il va voter Jacques Chirac, l'autre. Oui, j'ai une dernière, je me demande d'aller faire la machine. Dieu donné, la machine. Et dites opération Blanche-Neige. Les collègues, ils vont décoller, quoi, ils ont décollé. Alors voilà tout. Ah ben maintenant, c'est une affaire qui est classée pour nous, c'est au parc et l'instruire. Ça, c'est des affaires comme on aimerait en avoir tous les jours. Hein. Parce qu'ici, dans les quartiers sensibles, comme ici, c'est sûr. Hein. Ah ben là, c'est. Ah ben là, je suis tout seul de permanence, moi. Je suis barricadé à l'intérieur, ouais. Ah ben j'ai bois un coup, c'est tout, il n'y a rien à faire, j'ai un pot au téléphone. Ah, on n'intervient plus, on intervient à l'intérieur, c'est tout, c'est tout. Ah ben la grève est repartie de plus belle, la suite à la disparition du collègue, là, qu'on a retrouvé lundi dernier, sur le bord de la Nationale 12. Hein. Ça y est, vidé, dépecé comme un lapin, là, poivré, salé, avec la frangipane sur le cul. Là. Non, mais on n'est pas des escalopes milanaises, là, c'est bon, là. On n'est pas des aliments, que je sache. Moi, je ne les tiens plus, les gars qui ont été les chercher. Pour 7800 balles par mois, là, se faire truffer avec des marrons dans le cul, même en période de Noël, ça fait marrer personne, ici.
Ah, mais c'est dur, et c'est dur ici. Oh, dans les quartiers sensibles comme ici, c'est... Ah non, 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 moi, c'est... Puis ça n'a pas l'air en s'arrangeant. Avec l'armement lourd, là, de l'ancien bloc de l'Est qui est en train de s'écouler dans les banlieues, là. Tu sais que quand ils vont se mettre à défiler, les gars, ça va être autre chose que la Gay Pride, je vous le dis. Ouais. 14 juillet, ici, il faut le défiler. À tous les 14, au milieu de la cité, là. Ils ont les MIG, ils ont des chars, des lanceurs-roquettes, ils ont tout ici. Oh ben l'objectif, non, mais de toute façon, l'objectif numéro un hein, dans ce genre de brigade, c'est plus du tout les maintiens de l'ordre. Ah, c'est fini, ça fait 2 ans, c'est fini, ça. Aujourd'hui, notre objectif numéro un, c'est tenir nos positions le plus longtemps possible. C'est-à-dire essayer de conserver les bâtiments de gendarmerie, hein, puis les logements de fonction qui vont avec, hein, avec les voies d'accès pour ravitailler, c'est tout. Hein, ah, les parkings, c'est à eux, ça, c'est fini, ça. Ah, 200 mètres par an, ils gagnent à peu près. Allez. On est engloutis, nous, dans 2 ans, quoi. Ah oui, ah, mais c'est ça. L'ambiance, il n'y est plus. Même nous, on n'y croit plus. Moi, il y a un gendarme sur deux, ils sont divorcés maintenant. Les femmes ne tiennent plus. Même ma femme, bon, est partie il y a 2 ans. Même. Et c'est souvent hein, qu'elle me disait Jean-Jean. Alors moi, je lui disais, oui, mais je ne m'appelle pas Jean-Jean. Je raconte. J'en peux plus. J'en peux plus. Elle a pété les plombs. Elle a complètement tourné la calebasse. Et de ne pas savoir si j'allais rentrer ou me prendre du plomb dans la barrique. Là. Non, mais c'est vrai, sur les dernières années que j'étais sur le terrain, là, ça tombait comme des mouches. Moi, j'ai perdu mon collègue, là. C'est Patrice, 27 ans, là-bas. Côté de moi. À bout portant, on lance un missile. En pleine poire, le gars. À un péage autoroutier pour une vignette collée de travers, là. Ça devient féroce, maintenant. Moi, j'étais le parrain de la gamine, vous savez. Allez, expliquez-vous, une gamine de 8 ans qu'on a retrouvé les molaires de son papa à 800 km d'ici. Mais elle comprend pas, la gamine, je veux dire. Mais si. Mais on est en Chechénie, hein. C'est la Chechénie, ici. Ah, c'est la Chechénie, on est en Chechénie, c'est la Chechénie. Et puis ça. Et non, mais. Vous savez, et puis et là, au centre commercial des Bleuets, là, pour la sortie de l'euro, là, c'est ici que ça s'est passé. Hein. Ah, mais on était tous, en renfort et tout, tous les anciens et tout. 10 gendarmes d'un coup, ils nous ont mis. Et un strike, qu'ils appellent. Missile à tête nucléaire, 20 méga-newtons. Non, mais je veux dire, 100 fois Hiroshima, ils nous ont foutu dans le J5, là. Mais nous, on n'est pas équipés contre ce matériel-là, oh. Moi, je revois encore la tête de mon collègue, tu sais, cramponné au volant du J5. Là. Et oui, avec l'onde de choc. Là. Ah, mais c'était Cap Canaveral, ils ont monté. Ils ont explosé à 800 mètres du sol. La Belle Bleue, tout le monde était là. La Belle Bleue, la Belle Bleue. Je crois que je reverrai toujours, c'est la tête de mon collègue. Tu as 2 semaines de la retraite, relâché. Cramponné comme ça au volant du J5. Tu sais, avec la poussée, toute la peau des joues sur la puitette, là. Ça, c'est des images qui vous restent, ça. Parce que je veux dire, quand ils récupèrent rien, comme ça, même pas un euro, rien, les gars. Là, c'est la méchanceté, je veux dire, c'est rien d'autre. Ah ouais, pourtant, moi, j'en ai vu, hein, vous savez. Moi, j'ai fait la guerre, j'ai tout fait. Algérie. 3 ans, j'ai fait 3 ans. À partout, on était au renseignement, moi. À partout, Sidi Ben Abbès, Marcel Le Kébir, Pépé Le Moko, moi, j'ai été partout, hein. Bien sûr qu'on a torturé en Algérie, c'est clair. Ça, c'est... Ah oui, au nom de la France, au nom de la société, de la civilisation. Quoi. Mais on a torturé, bien sûr. Ah, personnellement, ah non, jamais. Je n'ai jamais torturé. Ah non, jamais. Non. Moi, des fois, je tenais un pied, voilà, mais enfin, c'est pas moi. Non, mais directement, je n'ai pas fait des. Ah non, mais il y avait un gars qui faisait ça, un spécialiste. Un appelé, nous, c'était Patrice, je crois, aussi. Et un gars de la Mayenne, le gars, bon, ben, et un passionné du chicot, c'était élève dentiste, bon, ben, ils l'ont choisi. Oui, mais attention, aussi, l'arabe, il est dur aussi. C'est quand il a décidé de faire sa tête de con, c'est le con, l'arabe, vraiment. Ah oui, il faut lui attaquer les chicots à la perceuse, sinon il ne dit rien, il n'avoue pas, l'arabe. Hein. Parce qu'il est, c'est comme ça, c'est dans son espèce, quoi. Hein, c'est la culture, voilà, tout à fait. Ah ben non, alors canine, là, incisive, à la mèche des 18, il commence la causette, autrement c'est une carpe. Mais c'est un mur, l'arabe.
Mais il est comme ça, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Regardez en Israël. Et c'est tout, et, Arafat, machin. Ils en ont foutu des bombes sur la gueule, l'autre, il avoue pas, là-bas. Et il le dira pas, vous verrez, hein, où il a caché tous les territoires occupés et tout ça. Mais oui, parce que l'arabe est voleur, il est comme ça, il est menteur, il est voleur. Il vole la terre des gens, il est... Mais non, mais c'est comme ça, il s'est dans son... Regardez, il n'y a que les Américains qui ont compris. Regardez ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est tout. L'arabe, il n'y a que ça qui comprend. Hein. Bombe à fragmentation, matin, midi et soir, pendant 30 jours. Voilà. Oui, mais faut pas dire ça. Oui, mais il y a bien sûr la souffrance. Oui, bien sûr la souffrance. Mais oui, mais ça, c'est facile à dire. Parce que la souffrance, vous savez, elle est des deux côtés. Mais oui, nous, on torturait, mais on a souffert, monsieur. Je dirais même plus, monsieur. Et oui, parce que, oui, mais nous, on vit encore avec. Eux, ils sont morts. Et oui. Vous savez. Non, monsieur, moi, je me réveille. Vous voulez que je vous dise ? Ma femme n'est plus là pour vous le dire. Je me réveille encore, moi. Et 30 ans plus tard, en pleine nuit, dans les cauchemars, en transpiration et tout. Et, ah oui, et je crois que jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai toujours le cauchemar avec le regard de cet enfant, quoi, 14 ans. Là, il me regardait avec ses yeux qui sortaient des orbites. Moi, je lui tenais les pieds, bon, mais c'est tout. Et en plus, il était en train d'avouer, moi, je suis sûr, le gars. Oui, mais nous on ne parlait pas sa langue non plus. Non, puis à la hache, c'est pas précis, il faut être clair. Non, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les budgets. Oui, mais non, voilà, je dirais il y a des limites, attention. Mais voilà, il y a des limites quand même. Ouais, quand on entend parler les Osares, les machins, oh salopard ça. Le Pen, mais je les ai vus, Le Pen, je l'ai vu torturer, moi. Bien sûr, vous voulez que je vous dise ? Mais il ne fermait même pas la porte en entrant en séance, là-bas. Enfin, le terroriste a le droit à son intimité, enfin. Un gars qui est en table de travail avec les pinces crocodiles aux couilles, la gégène à la langue et un bâton de dynamite au cul, il n'a pas envie de se donner un spectacle à toute une caserne. C'est quand même pas compliqué de mettre un rideau, un chiffon, quelque chose, enfin. Et les conventions de Megève, enfin. Il faut respecter certaines règles du jeu. Ah, nous, on avait le bouquin des conventions, même. Ah, ben, on l'avait, nous, il n'était pas complet non plus. Et non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Mais oui, mais non, c'est. Mais oui, mais non, parce que le problème, c'est que les gradés, ils se torchaient le cul avec. Oui, parce que chez les Arabes, il n'y a pas de papier toilette. Hein. Alors, à un moment donné, on prenait ce qu'il y avait, nous. Hein, bon. Puis, de toute façon, les conventions de Megève à Alger, voilà, ça n'avait aucun sens, c'est clair. Ah, ben j'ai bien connu une année, si. Ben j'ai, disons, j'ai été sur l'institutrice, moi. Oui, si, ah oui, CP, CE1, oui. Voilà, ah, gentil, elle était sale, voilà, sale, très sale, oui. Si, toujours les petits accidents dans sa culotte, tout ça, hein, oui. Et elle aurait changé son pantalon, quoi, hein. Chose que je ne ferai plus aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, gentil, non, gentil. Oh. Voilà, des bêtises, c'est tout ce qu'il faisait, il paraissait des bêtises, quoi, comme tous les gosses, quoi. Ah, des bêtises, non, c'était pas méchant, je me souviens, s'il me mettait ses petits des punaises, comme ça, sur la chaise, avant que je rentre, vous voyez, il croyait que je ne voyais pas, ça, oui. Oh, c'est, avec le recul, je dois dire que c'était le bon vieux temps, tout ça, c'est. Parce qu'aujourd'hui, les punaises ont été remplacées par des pièges à loups, aujourd'hui. On a perdu une collègue la semaine dernière. Eh oui, une mère de tous ses deux enfants, 27 ans. Ah là là, elle est tombée dans un guet-apens du côté des bacs à sable. Pendant la récréation, ils avaient creusé une fosse de 5 mètres, vous savez, avec des pieux en contrebas, comme ça. Des maternelles grande section qui font ça. Non, mais c'est terrible, quoi.
Si, quand même. Pour elle arriver, terminé. Ah, mais la sécurité, ah oui, fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, on vit avec. Puis ça commence de plus en plus tôt. 6 ans, 6 ans et demi, c'est parti. Moi, en ce moment, j'en ai un. Mamadou, il s'appelle Mamadou. Mamadou. Oui, pourtant, c'est joli, Mamadou. Hein? Il y a le mot doux dans Mamadou. Ah, ben, on n'y voit rien, ça ne doit pas vouloir dire la même chose. Qu'est-ce qu'il est dur, ce gamin. Oh là là, depuis le début de l'année, moi, il me fait peur. Mais oui, il me donne des coups de pied. Un jour, il me mord comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, ta gueule, comme ça. Sinon, c'est zizi cucu à toi. Zizi cucu, le gamin, enfin, 6 ans et demi, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai été voir les parents, hein. J'ai dit, mais alors, zizi cucu, il m'a dit, ben, je sais, on a peur. Mais comment ça? Mais tout le monde a peur, vous êtes marrant. Mais oui, mais c'est... Ah, il est... Bon, pour l'instant, je suis tranquille, hein. Il a que des A, des 20, des très bien. Super bien, même si je lui donne super... Ah ben oui, c'est lui le premier de la classe, évidemment, c'est lui le premier. Mais c'est lui le plus méchant, qu'est-ce que vous croyez? De toute façon, vous savez, les trop gentils, on ne peut pas les garder. Hein. Oh ben, il meurt, de toute façon, on n'a pas besoin. Vous savez. Ah oui, 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 mais il est dur. Hein. Il est... Moi, de toute façon, je mets 0. Trop gentil. Les trop gentils, ah oui, je vois les parents d'école spécialisée, on ne veut pas être responsable parce que... Mamadou, ah ben, mais non, mais il est... Ah oui, très dur. C'est lui, vous savez, qui a lancé l'opération justice immuable contre l'ancienne directrice. Et comme à la télé, il a vu ça à la télé, certainement. Il... Ah, comme George Bush, il a... Ah, il voulait la justice. C'est lui, la justice. Eh bien, ils l'ont traqué, de la directrice. Ah, pendant la, dans la récréation. Non, non, dans les sous-sols, ici, pendant la récréation. C'est 2 heures de traque, ils l'ont eu. Elle a été courageuse, croyez-moi. Elle est tombée sur un piège à loup. Alors elle s'est rongée la patte, elle a continué. Bon, après, avec les traînées, les traces et tout, ils l'ont retrouvé dans placard à balai. 6 ans et demi, quand même, ce gamin, c'est quand même... C'est... Enfin, si c'est 6 ans et demi, mais il en paraît 25 aussi. Ah, faut que vous veniez les voir, faites attention, mais... Oh là 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 là, oui, mais ça aussi, ça ajoute à la pression ambiante, vous vous rendez compte? Hein, ben oui, mais je crois qu'il a raison, faut... Vous savez, José Bové, là, avec tout... Oui, oui, non, non, je crois, tous ces produits transgéniques, les OGM, les McDonald's, tout ça, c'est pas normal, les croissances qu'on observe, voilà. Moi, j'en ai pas un en dessous de 2 mètres dans la classe. Ah oui, mais ça aussi, ça ajoute à la pression ambiante. Hein. Quand vous avez un gamin de 150 kilos qui vous fonce dessus avec un compas, vous faites comment? Sans compter que là-dedans, ça a toujours 6 ans et demi. Ah oui, ça vous met dans des situations pas toujours très... Ah ben oui, mais imaginez quand il faut les changer, par exemple. Hein, il y en a un qui a fait popo, attention, hein. Mais oui, mais pour peu qu'ils soient excités, là aussi, il y a eu des... Ah, il y a eu des agressions, ouais. Il y a une collègue, là, qui a fini dans une tournante la semaine dernière. Hein. Au milieu de la classe, comme une chaussette, à 15, là-bas. Ils l'ont jeté par la fenêtre et tout, dans mon pâté. C'est terrible, c'est... Ah oui, ah oui, oui, c'est... Ça devient... Bon, bon, elle pense qu'elle était morte avant de s'écraser dans les poubelles, on espère. Mais oui, mais c'est comme ça, mais et c'est de pire en pire, vous savez. Chaque année, on a des atrocités, des... Ah oui, puis, ben oui, mais... Ah ben oui, le français et les mathématiques. Ben oui, c'est au programme, c'est fort possible, enfin de... Surtout pas leur parler de ça en classe. Ah ben là, espérance de vie, 2 minutes, je dirais. Ce qui les intéresse, c'est les magouilles, les arnaques et tout. Mais ils savent comment faut faire pour réussir. Hein. Ils ont... Ben voilà, ils ont vu le chef de l'État. Ben oui, mais enfin, les enfants, ils sont pas bêtes, faut pas les prendre pour des imbéciles. Hein. Mais oui, mais nous, et puis faut quand même, pour nous, il faut quand même préserver notre intégrité physique, parce qu'on n'est pas préparé pour ça. Mais oui, c'est comme moi, ce matin, il y en a une en classe qui a lancé l'idée comme ça de m'opérer à cœur ouvert. Comme à la télé, elle a vu ça sur Planète, je ne sais où. Ouais. Ah là, j'ai pas demandé mon reste, hein. Je me suis enfui par les conduits d'aération. Je laisse toujours la petite grille ouverte, comme ça, tac, tac, tac. Avec les portables, bon, j'ai appelé la sécurité, ils m'ont élitroyé par la cheminée. Non, mais ce que je veux dire, faut être sur le coup, parce que les gosses, ils sont vifs.
Ah oui, puis les gilets pare-balles qu'ils nous avaient distribués là, début de... Mais non, ça ne sert à rien, ça. Ils ne sont pas armés, la plupart. Ils n'ont plus besoin. Ah, ça, c'est le nouveau directeur, ça. Oui. C'est Yuri, ça. Fermez la porte. Ah, c'est Sergueï, c'est son assistant. Fermez la porte, Sergueï, t'es gentil. Oui, le, Yuri, le nouveau directeur, il est bien. Un ancien dresseur de loups et de grizzly, oui. Du cirque grus et tout, il a fait tout, tout, tout. Il est en Sibérie, il a tout fait, hein. Ah, il est dur au mal, lui, hein, oui. Ah oui, 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 ils ont dit... Voilà, ils font des rondes, quoi, avec des fauves dans les couloirs, oui. Ah, ça, si, ça joue, ça. Ah oui, ça... Ah, ça chavaille plus dans les couloirs. Ah, les gros chats, ça fait peur, tu m'étonnes. Ah, mais il y en a qui s'est fait griffer, terminé, maintenant. Ah, ben non, mais... Oui, et ils nous mettent des cages, voilà, des cages. Ils nous installent des cages à fauves autour des bureaux, hein, des enseignants. Hein. Ah, ben, si ça protège contre des fauves, ça peut peut-être nous protéger, c'est vrai, il faut voir. Parce qu'il a dit, Yuri, hein, 35 ans de dressage, il n'a jamais vu ça. Pourtant, il a tout fait, il a dressé tout ce qui est plus féroce. Hein, tout, le fennec, du machin, tout. Mais oui, mais là, il a dit, c'est autre chose. Là, il a dit, il faudra être patiente. Hein. La règle des 3 P, les filles, patience, patience, patience. Ah oui, 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 il a dit, c'est comme les crustacés, il a dit, pareil. Il a dressé des crustacés, donc il connaît. Hein. Oui, il dressait des palourdes à un moment donné, donc il connaît. Il dit, c'est fermé, c'est comme une palourde, on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas communiquer. Alors lui ça, disons sa méthode éducative, alors lui, il a les CM2, lui. Alors, eh bien, c'est le fouet et la récompense, c'est comme ça qu'il marche. Alors, une bonne réponse, hop, il a un saut et une boulette de viande, hop, il jette de la viande. Ah, ben, les CM2, oui. Ah, le programme, ah, ben non, ça n'a rien à voir. Ah, ben, il fait lever la patte, l'autre patte. Il a dit, fin de l'année, il a dit, ils lèveront les deux pattes, c'est tout. Ah, oui, non, il a dit, on ne peut pas faire d'un. Non, parler, c'était autre chose. Ah, faudra attendre 10-15 ans, hein, le temps de les habituer, déjà. Ah, mais il a peur. Lui. Ah, vous ne pourrez pas le voir, il est à l'hôpital, Yuri. Ce matin, il s'est fait mordre par un CE1, ouais. À la récréation, oui, mais lui, il va en contact, il n'a pas peur. À la récréation, ils sont dangereux, ils sont comme fous, hein, dans la classe. Et puis les CE1, c'est les plus dangereux. Et oui, parce que vous savez, même avec les cotes de maille, eux, ils ont encore des dents de lait. Alors ça rentre, c'est très extrêmement fort. Si, si. Ah oui, c'est terrible. Ah, c'est terrible, 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 terrible. Ah oui. Mais oui, les cages, oui, c'est bien, les cages. Je crois que l'Académie va garder ça. Hein. Oui, c'est bien, mais ça ne protège pas du tout non plus. Attention. Ouais. Hein, par exemple, ça ne protège pas du feu, les cages. Hein. Eh oui, Madame Biscotte, la professeure de CE1, pourrait vous en parler. Bah, ils ont essayé de l'enfumer, bon, certainement pour la faire sortir, on ne sait pas ce qu'ils voulaient faire. Et oui, mais la pauvre, elle s'est embrasée, vous savez, une petite robe en nylon, tout, le visage, tout, ça, terrible. J'étais la voir encore ce matin à l'hôpital. Terrible. Tout le visage, parce que ce que je lui ai dit, bon, ben, c'est au moins définitivement réglé tes problèmes de lifting. Non, mais ça l'a pas fait rire, la pauvre, vous savez, elle ne rit plus, elle ne rira plus jamais, je crois. Ah oui, mais moi, je pense surtout pour les jeunes, vous savez, moi, je suis à la retraite à la fin de l'année, mais les jeunes... Ah oui, moi je suis en retraite là. Ah, c'est ma dernière année, terminée. Oui. Hey. Ah non, non. Pardon? Ah ben on s'en va, on déménage avec mon mari de la région. Oh, non, je sais pas qu'on n'y croit plus, mais je... On va s'installer dans le désert algérien, oui. Il y a des coins tranquilles là-bas, voilà. Non, c'est pas ça, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est ce que je vous dis, mais on est fatigué, je dirais. Fatigué, oui. Jean-Jacques, parloir! Allez, Kamel, promenade, on se dépêche! Allez, Kamel, promenade! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore, Kamel? Il y a un problème ce matin? Hein? Allez, en promenade, c'est quoi le problème ce matin? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est ta face, Clément. Pourquoi le directeur il continue à braquer notre courrier comme ça? Pourquoi il fait ça? Bon, écoutez, ne parlez pas comme ça de monsieur le directeur.
Vous devriez savoir que votre courrier est fouillé quotidiennement. Pourquoi vos copains continuent à vous envoyer de la drogue en poudre à l'intérieur? Vous prenez pour des cons, mon vieux, c'est vrai. Hein? C'est ça, vous avez pas assez à nous braquer dans le cul au parloir pour aller braquer notre courrier. Et pourquoi hier soir vous nous avez distribué des capotes là en cellule? Vous voulez qu'on s'encule là? C'est quoi le projet? De toute façon, je veux pas être avec l'autre pédophile là. Faut me changer de cellule, je veux pas le savoir. Je veux pas être avec un pédophile. Votre Jean-Jacques. Alors, écoutez, parlez pas comme ça de Jean-Jacques. Puis chacun ses coutumes aussi, mon vieux Kamel. Oui, oui. Parce que ce que vous avez fait, c'est grave aussi, braquer une banque, oh. Eh oui, chez nous, c'est sacré l'argent, alors. C'est pas marqué dans le Coran, ça? Rien dans le Coran, ça? Qu'est-ce que tu connais à l'islam, toi, Cléba? Ben, j'y connais. Comme tout le monde, ouais, que vous aimez pas le cochon, par exemple. C'est con parce que c'est bon de sauciflard, tu devrais essayer avec une raclette. Bah, si t'aimes le cochon, t'as qu'à bouffer ta mère, Cléba. C'est dingue, ça. On discute avec vous, tu es créatif comme ça, c'est incroyable. Ça, c'est pour ça qu'on vous enferme, c'est la moitié, et vous avez la rage, on a la passion, là. Vas-y, calme-toi, toi. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te la donner. Vas-y, pose tes clés, je suis à toi. Je te promets. Hein. Hey, vas-y. Je me sers pas des mains, pas des pieds, OK? Je te mets juste des coups de cul dans ta face, comme ça te va. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux passer ton week-end au mitard, c'est ça? Hein, continue comme ça, on va te retrouver pendu dans ta cellule, toi. On va te rendre à ta famille, tu seras tout bleu, comme un schtroumpf. Trouve-moi le grognon. T'as pas compris qu'ici c'est nous qui faisons la loi, non? Si tu veux, tu baisses ton froc, toi. Vas-y, me loupe pas, toi, je te jure. Parce que si je sors d'ici vivant, wallo, je te jure, tout ce qui porte ton nom dans un rayon de 800 km, je m'en occupe avec barbarie, la vie de ma mère avec mes dents, t'entends ça? Hé, l'Africain, oh, l'Africain, t'as entendu comment il m'a menacé ou quoi, là? Hé, t'es témoin ou quoi, toi? Hé, t'es là pourquoi, en fait? T'appelles comment, toi? Non. Toi, tu es le gars qui aime parler fort comme ça, hein? Tu es plus brillant que l'éléphant en rut. Ah oui? Moi, je m'appelle Okepi Malano. C'est-à-dire, je suis un sans-papier, quoi. Mais ouais. C'est pour ça qu'il me bloque là. Mais c'est embêtant, parce que vraiment, non. C'est-à-dire, je n'ai pas de papier, quoi. Non, mais je ne comprends pas. Dans mon village, là. Non, mais comment personne n'a des papiers, là? Ils vont enfermer tout le monde, là? Non. Quand les Blancs sont venus chez nous, là, mais qui leur a même demandé des papiers, là? C'est des bandits, ces gens-là. C'est embêtant, parce que quand les gens du pétrole, là, les gens des elfes, là, Total Elf, là, ils sont venus chez moi, hein, dans mon village, là, comment? Ils ont commencé à creuser hier. Ils ont creusé la terre. Ils ont même creusé là où on avait enterré les anciens. Là. Mais ouais, c'est pour ça que je suis venu à Paris. C'est pour discuter avec le patron de Elf. Là. Chirac. Non, tu comment? J'ai été là, non, j'ai fait le tour là de Champs-Élysées là. Non mais comment? Yo, le gars vraiment, mais c'est gros quoi comme maison là. J'ai cherché la sonnette comme ça, j'ai fait le tour là. Et yo, je suis arrivé, il y avait un petit pont comme ça. Hein. J'ai seulement franchi le pont comme... Comment? Je me suis fait stopper par deux guerriers là. Mais vraiment le gars en fourraillé quoi. Ils m'ont dit, mais où tu vas, toi? J'ai dit, non, mais comment? Il faut me laisser passer, quoi. Je vais pas parler avec Jacques Chirac, quoi. Parce qu'il y a un problème, quoi. Et le gars m'a regardé comme ça. Il m'a commencé à m'engueuler, quoi. Carrément, quoi. Moi, l'ancien, comme ça, non. J'ai senti que c'était gentil, toi, c'était foireux, comme ça, quoi. J'ai voulu quitter, quoi. Mais tu vois, je n'avais pas vraiment... J'étais déjà vieux, quoi. Je n'avais pas les chaussures pour aller un peu vite, quoi.
C'est-à-dire vraiment, le gars m'a mis la chicote, quoi. Il m'a chicoté. J'ai tombé comme ça. Ils sont arrivés à trois, mon ami. Ils m'ont cogné mal, hein. Cogné sur la tête même. Yeah, ils m'ont cogné comme ça. Non. Non, mais à un moment donné, j'étais mort. Man. Mais oui, j'ai été décédé, c'est vrai. J'ai commencé à quitter ma carcasse, quoi. Tu vois, j'étais bleuté comme ça. J'étais lumineux, quoi. J'ai sauté comme ça. Je m'envolais, quoi. J'étais rendu, peut-être, j'étais à 10 mètres comme ça. Et c'est là que l'ange de la misère est venu me voir. C'est la vérité. Dans ma misère. L'ange des miséreux, quoi. Elle est arrivée, la vieille, là. Elle voletait comme ça. Elle m'a dit, où vas-tu, vieux pestifère? Et j'ai dit, pardon, madame. C'est-à-dire, je suis déjà fatigué, quoi. Les gars me tapent dessus déjà depuis longtemps, quoi. Il faut me laisser quitter, là. Elle m'a dit, non. Retourne dans ta carcasse immédiatement. Et j'ai dit, non, toi, vraiment, c'est pas raisonnable, quoi. C'est-à-dire, les gens me tapent déjà depuis longtemps, quoi. Je vais aller dans le coton des nuages, loin de la sauvagerie des hommes, là. Elle m'a dit, non, tu rentres dans ta carcasse. Elle m'a pris comme ça, elle m'a jeté dans ma carcasse. Elle m'a dit, ta vie est un combat perdu d'avance, c'est vrai. Mais mon ami, tu vas le mener jusqu'au bout, dans l'espoir, avec le sourire même, s'il faut. Et je dis, mais toi, tu es folle. Comment tu veux que je souris, quoi? Le gars me tape dessus. Comment tu veux que je souris? Lui, comment t'as décollé, what? Hey. Tu t'es fumé un champ de zaïroise à toi tout seul, ou quoi? Eh non, je n'ai pas fumé le chanvre depuis longtemps. Avant, je fumais des cantines, mais maintenant, non. C'est-à-dire, j'ai resté comme ça, tranquille, quoi. J'étais au pied de mon papayer, au milieu du village, là. J'ai voyagé avec l'esprit qui est partout. Ah ouais. Avec les anciens, avec les prochains, même. Mais je vais retourner là-bas, tu vois. Je vais retourner ce soir, même. Ouais, mais ça, on verra. On va peut-être attendre la décision du juge. Hein? Et j'ai dit, ah, viens voir, il y a le barabou qui a pété les plombs, là. Et tu sais comment ça marche ici ou quoi? Tu es un avocat ou pas? Parce que là, c'est pas avec tes incantations, tes trois pattes de poulet que ça va changer quelque chose. Hein. Mais comment? Tu sais, toi, tu peux garder tes clés, machin. Hein. Là où je vais, je n'ai pas besoin de ça, mon ami. Je vais quitter ce soir, je t'ai dit ça. Hé, hey, je sais pas comment tu vas faire, toi, mais si t'as un plan, tu m'oublies pas, fais pas ta pute. Eh, hey, mon ami, jeune cabri, là. Ouh, yo! Tu veux quitter aussi, hein? Bon, donne-moi ta main alors. Je vais vraiment te montrer la magie africaine maintenant. Voilà, ferme tes yeux maintenant. Je vais te conduire vers la beauté vraiment. Que c'est que ce bordel? Allez, on arrête les conneries, les gars, là, on rallume les lumières, là, hein, c'est parti, là. Quoi, cette musique, elle est con, là. C'est une blague ou quoi? Gérard! Gérard! Arrêtez de faire les cons, les gars, là, c'est quoi, là? Elles sont où, les portes, là? C'est quoi, ces lumières, putain? Foutre la pétoche, les gars, là. Bon, d'accord, les gars, alors... Ouais, vous partez pas, les gars, là-haut! Bon, ben, emmenez-moi,
Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.